Hey, comment ça va? J'espère que vous allez bien, les gars. J'espère que vous êtes chaud. J'espère que tout va bien. Alors, je ne sais pas s'il y a des bugs de connexion, etc. Parce que j'ai des petites alertes qui me disent qu'il y a des petites pertes de FPS. Donc, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à me dire si le son n'est pas bon, si il faut modifier le son, s'il faut modifier la connexion, etc. Donc, n'hésitez pas à me dire, les gars, on est en live. Et bon, c'est un petit défi technique pour moi. J'invite quelqu'un d'autre, juste un serveur. On est sur ACC. Donc, bienvenue à tous sur une masterclass. Alors, une masterclass, c'est quoi? Une masterclass, c'est, si vous voulez, une sorte d'école de pilotage avec un expert qu'on essaie d'inviter. Alors, il y a eu la première édition qu'on a faite il y a maintenant 6 mois avec Redouane Messaoud sur comment faire le setup. Alors, je vais vous présenter Redouane, c'est un alien sur Assetto Corsa Competizione. Aujourd'hui, la masterclass va se passer aussi sur les setups, mais on s'est arrêté à mi-chemin la dernière fois. Donc, la dernière fois, on a fait la base du setup, c'est-à-dire que on a fait un setup de base. Donc, quand on arrive sur le jeu, qu'est-ce qu'on doit effectuer par rapport aux freins, par rapport aux pressions, par rapport à l'aéro. Donc on va repasser ça, mais en quelques minutes, et après ça on va passer au setup avancé. Et là on va plus parler de la chasse, de l'adhérence mécanique, des suspensions, etc. Sans, on me vend en blonde, sans toucher au Motec. Donc on va aussi expliquer l'importance du Motec dans le réglage de ACC. Ah, il y a un léger écho, merci de l'information. Je ne sais pas d'où il vient l'écho, mais je vais essayer de régler ça comme je peux. Donc, alors, peut-être au niveau du Discord, après, on verra ça. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Je vais peut-être essayer de couper l'autre micro, voir. Peut-être que c'est ça qui bug. Hop. Aucune idée. Tiens, Nico, vous me dites, les gars. À mon avis, ça doit venir du Discord. Donc, voilà. Donc, on va essayer maintenant d'aller dans le setup avancé, donc de Assetto Corsa Competizione. Et aujourd'hui, on va recevoir Redouane Messaoud. Alors, Redouane Messaoud, qui c'est? Redouane Messaoud, c'est un alien. C'est un pilote qui roule beaucoup plus vite que moi. Je me considère pas être un alien, mais juste un pilote compétitif. Et aujourd'hui, on va essayer d'apprendre comment est-ce que Redouane Messaoud roule aussi vite et surtout comment il arrive à le faire avec ses setups. Alors, Redouane Messaoud a lancé un projet qui s'appelle Redouane Garage. Donc, dans Redouane Garage, il partage ses setups. Alors, c'est pour une modique somme de 5 euros par mois. On vous mettra toutes les informations dans la description de la vidéo et aussi dans le chat. Il va y avoir un lien vers son Discord. C'est là où il partage tous ses setups. Et aujourd'hui, on va accueillir Redouane. D'abord, je vais vous le présenter, puis on va l'accueillir en caméra juste à côté de moi. Là, il va arriver juste là devant. Voilà. Alors, Redouane, c'est qui? Redouane, c'est un pilote qui est issu de la team VTRL Virtual to Real League. Donc, c'est une toute nouvelle team qui a été créée avec le team manager, si je ne me trompe pas, Vincent Grenier. On a Amada Erkizi qui est aussi là, qui est un pilote très très rapide. Et on peut voir des gars comme Florent Lacour, David Mamet. Voilà, tous ces pilotes qui sont très rapides sont dans cette team VTRL. Et Redouane Messaoud est là aussi, un grand streamer sur la plateforme Twitch. Redouane Messaoud est dans le sim racing depuis 10 à 15 ans. Donc c'est un pilote qui est là, il sait de quoi on parle, il maîtrise son sujet. Alors au niveau des setups, il essaye aussi d'être le plus performant possible, il essaie de se renseigner avec des experts à gauche et à droite. Et aujourd'hui, on va pouvoir lui poser toutes les questions que vous voulez dans cette masterclass numéro 2. Et donc voilà, on accueille Monsieur Redouane Messaoud qui est là, ici, à côté de moi. Salut Redouane, comment tu vas? Salut Naga, j'espère que vous allez tous très bien. Merci pour l'invitation en tout cas Naga. Voilà, je me présente à Hermes Saoud, pilote sur Assetto Corsa Competition. J'essaye d'être le pilote, un pilote compétitif, que ce soit en e-sport ou dans des compétitions communautaires. Voilà, ça fait, comme tu l'as dit, ça fait 10 ans que je fais du sim racing. Et j'ai vraiment. C'est un jeu qui me plaît, Assetto Corsa Competition. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que moi. Ma catégorie préférée, c'est le Grand Tourisme, et en l'occurrence le GT3 et Assetto Corsa Competizione. Ça réunit les deux, donc voilà, mon jeu, votre jeu aussi, donc et ton jeu aussi, Naga, je te propose. Exactement. Alors moi, pour l'information, j'aime beaucoup Assetto Corsa Competizione. C'était mon jeu de cœur. C'est celui qui a fait décoller ma chaîne YouTube sur la PlayStation 4. J'ai connu via la PlayStation 4. Puis après, ça fait un an que j'ai ma chaîne YouTube. Et depuis la PlayStation 4, c'était vraiment un coup de foudre. C'est ce qui m'a lancé dans la simulation et c'est ce qui m'a donné envie d'acheter un PC. Donc pour ceux qui sont sur la PS4 ou les consoles, ne vous inquiétez pas, on vous oublie pas. Mais là, je suis passé sur PC. Donc ce jeu, ouais, c'est vraiment un coup de cœur. C'est mon coup de cœur de la simulation. Et donc c'est pour ça que je passe énormément d'heures
d'heures dessus, mais je suis pas à tes nombres d'heures à toi. Mais j'essaie d'être performant et je sais très bien que c'est pas facile dans ce jeu-là. Il faut vraiment enchaîner les heures. Mais aujourd'hui, en tout cas, on sait très bien qu'il y a les setups qui sont super importants dans Assetto Corsa Competizione. Il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci au niveau des setups, c'est que vous allez le voir, les setups fournis par le jeu, ils sont bons. Mais en fait, ils sont assez opaques, c'est-à-dire que c'est pas Kounos qui va venir chez vous et qui va vous dire « Ah, changer la pression, ah, changer si il n'y a pas des petites bulles d'infos, il n'y a rien du tout. » En fait, il n'y a rien. Bon, ça c'est bien pour moi, parce que moi ça me fait de la création de contenu, et même pour Edouane. Mais en fait, c'est mauvais pour les jeux, pour les personnes de monsieur et madame tout le monde, parce que s'ils ne connaissent pas les setups, s'ils ne savent pas comment modifier un truc, bah, ils sont dans la merde parce qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on a organisé ces masterclass pour vous expliquer chaque détail. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu la première masterclass, vous pouvez la voir les gars, dans la chaîne, dans la homepage de ma chaîne, vous allez voir masterclass numéro 1, ce sont les setups de base. Aujourd'hui, on va le revoir un peu, mais on va surtout discuter de l'évolution de la 1.8, mais aussi des setups avancés avec Red One. Et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter le programme qui est ici. Alors, le programme, les gars, avec quoi on va commencer aujourd'hui? Alors, attendez, j'espère que le son est bon. Hop, dites-moi hein, si le son est bon, si c'est pas bon. Je passe. Ah, si c'est bon, ok. Donc, alors, le premier point, c'est on va. Présentation de la masterclass, c'est ce qu'on vient de faire. On va passer au deuxième point, ce sont les réglages de base ACC. Après le troisième, on va parler de l'adhérence mécanique. Donc l'adhérence mécanique, tout ce qui est chasse, etc. Vous allez voir, on va parler tout ça avec Red One. On va aussi parler des réglages amortisseurs. Alors, dans la masterclass numéro 1, on n'est pas passé par le réglage adhérence mécanique ni par les amortisseurs parce que c'est un sujet assez complexe et en plus, il faudra probablement utiliser le Motec, qui c'est le sujet de la masterclass numéro 3. Mais pour l'instant, on va pas l'utiliser, on va vous l'expliquer pourquoi. Ensuite, on va aussi passer sur l'aéro. On discutait avec Red One. L'aéro fait gagner à Red One au moins une seconde. Et on va vous dire pourquoi. Donc, restez bien dans cette masterclass. Ensuite, on va parler aussi des réglages volants. Alors, il y a une grosse polémique par rapport à ça, où il y a un gros débat par rapport aux amortisseurs, par rapport à la nouvelle mise à jour, par rapport à la rotation du volant. Donc, on va parler de ça et ensuite, on va clôturer. Alors, vous devez savoir que ce live va être en rediffusion. Si vous regardez ce live en rediffusion, n'oubliez pas de liker ce live. On est arrivé à 550 likes lors de la première masterclass. Si on dépasse les 500 likes en moins d'un mois, on sait jamais, on refera une masterclass numéro 3. Et cette fois-ci, on ira vraiment dans le détail avec du Motec. On prendra aussi d'autres invités. On va essayer de faire évoluer ce concept. Si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit dans le chat ou autre. Et donc là, on va faire ce programme-là. Et on va passer directement sur le numéro 2. C'est-à-dire le réglage de base ACC. Red One, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces réglages de base ACC et qu'est-ce qu'il faut faire attention quand on arrive déjà sur le jeu? Je vais maintenant mettre le jeu directement ici. Hop, on va faire ça. On va aller dans le jeu. Je vais me mettre ici. On a Red One en haut. Je suis en bas. J'espère que vous allez bien. Salut Julien. On va juste dire coucou chat. Salut Mathis. Salut Antoine R. Salut Patrice Durand. Verstappen, c'est Fabien Piffet. Salut Mathis, salut Reg, salut Rouge, salut, salut tout le monde, salut Alex, salut Seb, salut Tonton J, salut Rouge Sun, salut Florent, salut tout le monde. Alors Red One, qu'est-ce qu'on peut dire sur les setups de base? À quoi il faut faire attention quand on arrive sur le jeu à cette course à compétitionner? Est-ce qu'on peut être compétitif si j'arrive sur le jeu et j'appuie conduire? Alors c'est simple, hein, le jeu propose à cette course à compétition quand on arrive sur un serveur, donc sur un circuit. Le jeu propose un réglage donc paramètre sécurisé, ouais. Un réglage paramètre prédéfini agressif et un réglage paramètre humide pré-réglé. Et la configuration actuelle, c'est le setup que vous utilisez pendant que vous êtes dans le serveur, donc sur le tracé. Alors c'est simple, hein. Quand vous mettez conduire, quand vous ne touchez à rien, vous partez en réglage stabilisé. Donc le réglage stabilisé, c'est un réglage de base très basique où la voiture est déjà pré-réglée de façon assez correcte, convenable, mais avec une sorte de petite bride au niveau de l'électronique déjà qui est importante dans le réglage sécurisé. La bride électronique est vraiment conséquente dans le réglage sécurisé, donc ça peut énormément affecter les performances de la voiture. Sachant que c'est un réglage qui vous fera rouler, il n'y a pas de problème. C'est juste que voilà, en termes de performance, on va être très réduit en prenant toute la capacité de la voiture à 100%. Voilà. Donc, le réglage sécurisé
est plutôt bon. Donc moi, personnellement, Naga, si ça te dérange pas, ouais. Est-ce que tu peux prendre le réglage sécurisé c'est le cas. Et mettre au moins, on va dire, allez, 25. On va partir sur une base de 25 litres d'essence, okay. Si ça te dérange pas. Une base de 25 litres d'essence, je pense que c'est pas trop mal. Et faire à peu près un ou deux tours, trois tours. Okay. Juste avec le réglage sécurisé. On rappelle qu'on est sur le circuit de Zolder. C'est Naga qui a choisi le circuit, il a bien fait, c'est un petit circuit. Donc en Belgique en plus, donc un pays qui connaît Naga, son pays. Du coup, en fait, voilà, donc ça tombe bien, c'est un petit circuit, on va pouvoir voir des choses intéressantes et peut-être que les réflexes qu'il va prendre ou qu'on va adopter par la suite de la vidéo, du live, vous allez peut-être le faire chez vous aussi et peut-être que vous allez améliorer vous-même votre propre setup. Donc le but c'est que vous puissiez vous aussi vous améliorer dans les chronos parce que c'est un jeu de voiture. Certes, on n'est pas sur Forza Horizon. Quand je dis ça, c'est voilà, il y a le chrono et vraiment c'est vraiment la chose la plus primordiale dans les jeux de compétition de ce type. Ouais. Donc en gros, c'est très simple. Hein. Il faut aller chercher du chronomètre. Voilà, c'est un jeu. Et on sait très bien que Redouane est un killer à ce jeu-là. Alors, je voulais remercier Julien et pour cette donation de 2 francs suisses et 10 euros de Chris. Merci beaucoup les gars, votre soutien n'a pas de prix et c'est vraiment très gentil de votre soutien. Alors, pour rappeler à la première masterclass, on a bien rappelé les setups de base. Donc, on va les résumer en 3 points. Le premier point, c'est arriver, changer l'essence. Deuxième point, mettre les freins. On rappelle vite fait les freins pour pas perdre du temps là-dessus parce que vous connaissez ça. Si vous connaissez pas les setups de base, revenez à la première édition de la masterclass. Les freins 1, ce sont des freins, on va dire, qui sont là pour les sprints entre 1h et 1h30. Les freins 2, ce sont des freins d'endurance pour 12h. Les freins 3, ce sont des freins de pluie. Et les freins 4, ce sont des freins prototypes qui surchauffent, dont la chauffe n'est pas maîtrisée et donc est très compliqué à utiliser. Est-ce que tu utilises les freins 4 ou les freins 1 en qualification, Redouane? Alors c'est simple, là il y a une mise à jour très importante sur Assetto Corsa Competition, Naga. Et apparemment j'ai eu plein d'échos parce que voilà, moi aussi je me renseigne par le biais de plein de Discord développeurs du jeu et puis même plein de Discord communautaires où on parle du jeu en lui-même. Et apparemment, j'ai entendu que les freins 1, il faut plus rouler avec les freins 1 pour des courses d'une heure. Ah bon ? Alors je sais pas, ça reste à vérifier, faut que je le vérifie moi-même. Si c'est vraiment le cas, j'ai pas le temps de le vérifier. Enfin, j'ai toujours roulé avec les freins 1 pour des courses d'une heure, voire plus. Et apparemment, les freins 1 pour les courses d'une heure, faudrait peut-être passer en frein 2. Alors, pour vous donner ce qu'il faut pour les freins, les pads. Donc, en fait, c'est les pads hein, des freins, tout simplement. On a la possibilité de changer les freins avant, arrière. Donc, soit le 1, soit le 2, soit le 3, soit le 4. Donc, le frein 1, c'est des freins qui sont utilisés pour les courses d'une heure. Sprint, les freins 2, comme tu as dit, des freins d'endurance qui vous permettent de rouler 12 heures, il n'y a pas de problème, vous pouvez rouler 12 heures sans problème. Les freins 3, freins pluie, et les freins 4, des freins type qualification. Avant j'utilisais, parce que la question c'était ça, avant j'utilisais les freins 4, maintenant j'utilise plus les freins 4. Voilà, ça fait depuis à peu près 4 mois que j'utilise plus les freins 4. Ok, donc les freins 4, même en qualification. Ouais, j'ai entendu que les freins 4 ils étaient instables au niveau de leur chauffe. Et que alors, en fait on pouvait pas nécessairement se fier à ça par rapport au chauffe des pneus, au chauffe des freins, etc. Bah j'ai eu beaucoup de ressentis au début du jeu et puis beaucoup, enfin voilà, par la suite j'ai beaucoup roulé en frein 4 en qualification, beaucoup sur cette nouvelle mise à jour qu'il y a eu, donc la 1.8. Je n'ai pas encore essayé les freins 4, je les ai pas encore essayé parce que avant la mise à jour j'avais déjà fait ma bascule de passer en frein 1 même en qualification, ouais. Parce que c'est vrai, les freins 4 ils ont une tendance à faire chauffer les pneus arrière, voilà. Donc après avec la 1.8 je ne sais pas, faut que je réessaye peut-être un peu de mon côté, voir si vraiment ça marche, mais vu les pneumatiques maintenant ils chauffent plus qu'avant, je pense que c'est pas une bonne idée les freins 4 même en qualification. Et par exemple maintenant on sait très bien qu'ils ont changé le moteur physique des pneus. Quand le caoutchouc se plie, etc. Et est-ce que la température, la fenêtre optimale se situe toujours entre 27,5 et 28,2 ou elle a changé depuis la mise à jour? Alors là, on parle des pressions des pneumatiques. Ouais, parce que là, je suis à 25, simple, hein. 26, c'est quand même assez bas.
Alors c'est très simple, hein. La pression des pneus optimale n'a pas changé véritablement, c'est quasiment la même chose. Il faut respecter donc les pressions et les pressions optimales données par le développeur du jeu, hein. Donc là c'est vraiment une information primordiale qui va vous vraiment vous aider, mais je pense que la plupart des joueurs ACC la connaissent. C'est 27.6. C'est la pression optimale du pneumatique, 27.6. Bon, je parle en PSI. Le jeu met les pressions des pneus en PSI. Et vous devez respecter la pression 27.6 pour bénéficier à 100% le grip des pneumatiques sur le tracé. D'accord. Et donc ici, j'ai fait mon deuxième tour. Alors je sais très bien que depuis la dernière mise à jour, on a les pneus qui chauffent moins vite. Est-ce que c'est le cas ? Qu'est-ce qui change par rapport à ça ? Est-ce que le pneu chauffe moins vite ? C'est-à-dire qu'il se refroidit plus vite ? Ou alors il se chauffe ? Comment ? Quelle est la nouvelle dynamique en fait de ce nouveau pneu ? Parce que je sais qu'avant la mise à jour, on avait le pneu d'ailleurs dans la première masterclass, on disait que le pneu fallait un tour, puis après deux tours et on était plus ou moins optimal. Ici, il faut quasi deux tours pour recommencer à voir que le pneu chauffe. Est-ce que c'est réaliste ? Et qu'est-ce que ça change au niveau du setup ? Alors moi, je vais être honnête avec toi, Naga. Ouais. Mon point de vue personnel, je pense qu'en qualification, il n'y a pas vraiment de grand changement en termes de performance. Si au cinquième tour c'est mieux ou si au deuxième tour c'est mieux, on peut faire un chrono dès le premier tour lancé. Ça dépend du tracé, bien sûr. Il faut avoir les 27.6 de pression optimale, bien sûr. Hein. Je parle bien, il faut avoir les 27.6 de pression optimale. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de changement en termes de chrono dès le premier tour ou le sixième tour. C'est à peu près kiff-kiff. Je pense que le tour optimal est au deuxième, au troisième, ça n'a pas changé. Par contre, là où ça a changé, c'est en course. Ah ok. Donc en course, oui, là ça a changé. Vous n'allez pas taper votre meilleur chrono au troisième tour. Vous allez taper peut-être votre meilleur chrono au sixième, septième ou au huitième tour. En pleine ça, course, je veux dire. En course, exactement. Mais quand je dis meilleur tour, c'est pas par rapport à la qualification. Je parle du rythme de course que vous avez. Voilà. Ok, mais c'est pas parce que... Ça a vraiment changé par rapport à la dernière mise à jour. C'est qu'en fait, on avait beaucoup des pilotes qui, à la fin d'un stint, ils faisaient le même temps qu'au début du stint. Et c'est très bien qu'on a roulé ensemble sur l'événement organisé par GameWorld, streamé par Annie. On roulait sur Barcelone ensemble et je me suis rendu compte d'une chose incroyable. On avait une course de 2 heures et à la fin de l'heure du stint, mes performances, ils ont augmenté, mon pace, mon rythme en course a augmenté de 1 seconde. Donc là, on a un effet important dans la perte de rythme en course et là, franchement, c'est quelque chose qui se rapproche un peu plus de la réalité quand même. Bah exactement, après, très bonne question, enfin, tu reviens là-dessus, Naga, je voulais te poser la question. Est-ce que tu es parti en frein 1 ou en frein 2, Naga? Je suis parti en frein 2 parce que c'était 2 heures et donc je ne pouvais pas changer le frein, donc je suis parti en frein 2. D'accord, ok. Et oui, j'ai perdu pas mal de temps. Et donc là, maintenant, on ne peut plus se permettre de faire des stratégies à 1h30, on gardait le même pneu, c'est plus possible. Et donc ici, Red One, j'ai fait mes 3 tours et donc, ouais. comme la masterclass numéro 1, on va modifier, j'imagine, les pressions des pneus pour arriver au pneu idéal. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant suite à la mise à jour 1.8 ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Attention. Alors déjà, donc là, c'est bien. Donc, tu as fait tes 3 tours, on va dire. Il faut faire à peu près 3 ou 4 tours donc avec le setup que vous utilisez pour voir vraiment les capacités, est-ce que vous pouvez faire avec. Et le chrono qui est affiché après ces 4 tours, on va dire, lancés. Ce qu'il faut vérifier tout de suite, donc voilà, c'est un peu répétitif, mais c'est comme ça. C'est un jeu de simulation, comme dans la vraie vie, la première chose qu'on regarde, c'est la pression des pneus et peut-être la température aussi des pneumatiques, c'est très important aussi. Donc là, tu es dans la partie pneus, c'est très bien. Tu regardes les PSI hot. Donc les PSI hot, c'est sur les petits carrés qu'on voit sur les extrémités de ta voiture. PSI hot, c'est marqué 26.5 à gauche. 25.8 à droite, 26.4 arrière gauche, 25.8 arrière droit. Là, on est totalement faux en termes de pression. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tout de suite, tu vas augmenter de 1 PSI, l'avant gauche. Tu vas augmenter de 1,5 PSI avant droite. Ensuite, arrière gauche, tu vas augmenter de 1 PSI aussi pour arriver à 27.5.
Et arrière droit, tu vas augmenter de 1,5 PSI. D'accord. Pour avoir les 27,5. Et le pincement, le carrossage, la chasse, on y touche ou on n'y touche pas? Bah, on peut y toucher, bien sûr. Il faut y toucher. C'est très intéressant, c'est très important aussi. Parce que voilà, c'est des pneus qui sont reliés à la piste. Là, en l'occurrence, qu'il faut que tu touches, c'est le carrossage. Je pense que le carrossage, ça, c'est quelque chose qui peut intéresser beaucoup de gens. Le carrossage, alors, en gros, il y a du grip au niveau du carrossage qu'il faut pas du tout négliger. Un carrossage très élevé, les amis, obligatoirement, vous allez passer plus vite en virage. Obligatoirement. Alors, pour ceux qui veulent comprendre c'est quoi un carrossage, on a les pneus du véhicule. Et le carrossage, c'est au niveau de la suspension, c'est l'inclinaison horizontale, dis-moi si je me trompe, des pneus avec le châssis. Exactement, c'est une inclinaison du pneu en contact du sol. Donc en D'accord. gros... Donc, on voit très bien que par exemple sur les drifts, etc., ou alors même les voitures qui vont prendre des gros virages, on va avoir leur carrossage qui est vraiment avec un angle qui est très très négatif. Et donc à ce moment-là, on recule en arrière. Et là, on a le maximum d'appui en virage. C'est-à-dire que quand le véhicule va tourner, il va avoir des appuis beaucoup plus élevés que si on était en angle positif, où en fait on perdrait énormément d'appui au niveau de la pneumatique. Et donc, pour la ligne droite, pour optimiser la vitesse de pointe en ligne droite, on va avoir un carrossage qui est neutre, mais on a toujours un carrossage négatif pour augmenter l'adhérence du véhicule dans les virages. Et là, tu veux dire que, est-ce qu'il faut, j'imagine, dans un circuit comme Zolder, il faut avoir un carrossage le plus positif possible? Alors, sur le Zolder, hein, personnellement, le carrossage, il en faut. Il en faut parce qu'il y a beaucoup d'enchaînements de virages et il faut avoir un maximum de grip en virage sur Zolder. Donc moi, le conseil que je te donne à faire, que ça soit sur Zolder peut-être ou sur un autre tracé, c'est de mettre le carrossage au maximum. D'accord. Mais moi j'aurais préféré d'abord que tu fasses juste les pressions à la rigueur. Ok. Mais tu partes faire 4-5 tours. Ok. Ou alors tu pars directement en setup agressif pour voir la différence déjà, parce que c'est quand même intéressant de voir la différence entre le setup sécurisé et le setup agressif, voir si tu vas plus vite. Ok, donc là je vais faire mes tours avec juste les pressions. Et, t'as modifié les pressions, c'est bon? Ouais, j'ai modifié les pressions. Donc là normalement je dois avoir des pressions parfaites. Alors il y a une question qui était intéressante dans le chat. On a demandé, est-ce que c'est sur tous les circuits que la pression est optimale de 27,6? Tous les circuits, 27,6, exactement 27,6, 3,3,3,3,3,3,3,3,3. C'est la pression optimale carrément donnée par le développeur du jeu. Et j'ai une question piège pour toi, Redon. Attention. Là, Redon, déjà, il se réfléchit. Quelle est la différence entre la pression optimale et la température optimale? Est-ce que les deux sont similaires? C'est-à-dire que quand on a une pression optimale, d'office, la température est optimale? Ou est-ce que c'est deux choses différentes et donc dans lesquelles il faut faire des réglages pour arriver à l'optimal au niveau du jeu? Bah c'est simple, hein. C'est deux choses qui vont ensemble, mais c'est deux choses indépendantes. Hein. C'est pas parce qu'on a une pression parfaite qu'on a le meilleur grip des pneumatiques. Il faut vérifier la température des pneumatiques et en l'occurrence qui fait, on va dire, un peu descendre soit la température ou la faire monter, parce que ça peut arriver que la température des pneus soit trop faible ou alors trop haute, c'est les écopes de frein. Donc c'est l'ouverture d'une petite entrée d'air au niveau de l'avant de la voiture et même sur l'arrière des pneumatiques aussi, qui fait ramener de l'air et qui permet de refroidir les disques, mais qui aussi fait refroidir les pneumatiques. Donc si on a des températures trop hautes avec des bonnes pressions, eh ben on perd du grip parce que les pneus sont trop chauds. Donc il faut vérifier les écopes de frein, et c'est dans la partie aéro. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, à un moment tu l'as dit, juste dans la partie aéro du setup, on peut gagner vachement de temps. Dans la partie aéro du setup, les amis, je répète, c'est un peu répétitif, mais c'est comme ça. La partie aéro, pour moi, c'est 75% du setup. Voilà. D'accord. Et donc, il y en a aussi dans le chat qu'on dit, n'hésitez pas les gars à réagir dans le chat, à poser toutes vos questions, parce que ça alimente aussi la masterclass. On aurait fait une vidéo hors live, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi et pour Redouane. On a voulu vraiment essayer de faire ça en live, hop là.
On a voulu essayer de faire ça en live pour que vous réagissiez. Vous êtes plus de 90 à regarder, 90. Mais pas, je suis belge. Il n'y a plus que 47 likes, les gars. Tapez-moi ce bouton de like, ou alors vous êtes là, mais vous prenez pas du plaisir. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Donc, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Et donc, dans le chat, on dit à un carrossage maximum, on perd en frein. Vrai ou pas? Alors, oui, il a raison, Darera. Plus t'as de carrossage et moins t'as de stabilité au freinage. Donc, logiquement, tu perds en grippe au niveau du freinage. Certes, les freins, c'est très important sur ACC, un jeu de voiture, enfin un jeu de simulation, ou même dans la vraie vie, le carrossage, c'est étudié et il faut prendre le meilleur parti. Donc, en gros, il faut tester avec une voiture avec moins de carrossage, voir ce que ça peut donner sur un tour de qualification, parce que là, on parle quand même qualification. Après, en course, ça, c'est autre chose. On diminue un peu de carrossage pour essayer d'économiser du pneumatique, parce que plus vous avez de carrossage, plus vous allez arracher du pneu en virage. Ça aussi, ça, c'est à revoir, en tout cas sur la nouvelle mise à jour. Mais il faut quand même tester. Moi, personnellement, je pars du principe, on part sur un carrossage de moins 4 à l'avant et de moins 3,5 à l'arrière. C'est ma base de carrossage. Je partirai toujours d'un carrossage de ce niveau-là. Je vous conseille de le faire aussi. Si vous n'êtes pas trop motivé à mettre du carrossage, autant de carrossage que je mets, vous avez le droit, hein, bien sûr. Mais moi, je pars de cette base-là, moins 4 à l'avant, moins 3,5 à l'arrière. Donc là, tu as des bonnes pressions, à peu près. Et encore, ça manque de pression à droite, Naga. Mais bon, ça va, ça reste raisonnable. Ça reste un petit peu raisonnable. On voit que tu es à 27,3, donc à gauche, et 27,0 à droite, 27,2. On est limite. Je pense qu'il faut rajouter encore un peu de pression pour les pneus avant droit. Mais bon, tu vois, on voit tout de suite qu'au chrono, tu as beaucoup d'améliorations, donc continue, termine ton tour. Et après, on va passer en setup agressif. Ok. Ça veut dire que si je mets le setup agressif, d'office, je gagne du temps. Bah, logiquement, tu vas gagner du temps. Et qu'est-ce qui fait la chrono différence que tu... Alors, la différence, c'est que le setup agressif, comme son nom l'indique, il est beaucoup plus incisif. Agressif, c'est un sorte de synonyme d'incisif. Donc, incisif en virage. Logiquement, le train avant sera beaucoup plus réactif. La voiture sera un peu plus dure au niveau des suspensions. Donc, peut-être potentiellement plus de grip en virage sur le tracé. Donc, voilà, on va tester. Hein. Donc, là, tu termines ton tour. Tu as fait un excellent tour. Ouais. Une 29.5. Donc, on est en dessous de la 1 minute 30. C'est très bien sur Zolder. Check Naga. Il utilise donc un setup sécurisé. Là, tu vas partir. Donc là, il faut que tu notes tes pressions. D'accord. Déjà, tu vas noter tes pressions. Ouais. J'ai une technique du bled pour ça. Je prends une photo. Voilà. Tu notes tes pressions. Je te conseille de rajouter peut-être un ou deux clics sur tes pneus droites, Naga. T'as vu, t'es à 27,2. Vas-y. On avait dit combien? 27,6. Vas-y. Voilà. Et donc, ça veut dire que si je prends le setup agressif, il va y avoir quelque chose qui va changer. Pourquoi on dit souvent Redouane, parfois je discute avec lui quand on fait des courses ensemble, parfois il me passe son setup et il me dit de changer certaines choses. Et il me dit un truc dans ses setups, et il me dit attention, ce setup il est dangereux. Alors j'imagine que entre un setup agressif et un setup sécurisé, c'est la même logique. C'est-à-dire qu'on a un setup qui est sécurisé, qui permet d'avoir une marge de sécurité et un contrôle du véhicule plus élevé, et on a un setup qui est dangereux, agressif, donc qui permet de faire plus vite du spin et de rater plus ses freinages. Et qu'est-ce qui fait la différence en fait? C'est sur quoi le jeu fait la différence et quel réglage on doit faire pour être plus agressif et donc plus rapide? Bah, c'est simple, hein. C'est comment la voiture setupée, hein, sur Assetto Corsa Competition. C'est un jeu qui reflète un peu la réalité. Forcément, si on a une voiture trop facile à conduire, vous allez être, à l'aise à conduire sur le tracé, mais performant ne rime pas avec à l'aise. Enfin, si, en vrai, si. Il faut être à l'aise avec la voiture pour performer. Mais des fois, il y a une phrase qui a été souvent dite, plus on a une voiture qui marche, qui va vite au chrono, et plus la voiture est un peu plus difficile à conduire. C'est ce qui va se passer. Moi, personnellement, je cherche la limite du grip de la voiture pour aller chercher mes chronos. Si j'ai une voiture qui est trop facile à conduire, je vais aller vite, il n'y a pas de problème. Mais je vais aller plus vite avec une voiture qui est instable. Limite. D'accord. Instable. Voilà. Et donc, entre le setup sécurisé, je reviens dessus,
Je vais recharger mon setup sécurisé. Et là, par exemple, j'ai un carrossage de moins 3,5 degrés. J'ai une chasse de 8,7 degrés. Juste, on n'a pas encore regardé l'électronique. On est à 6,6 et les carburants. Donc maintenant, si je passe sur le setup agressif, théoriquement, je vais devoir avoir un setup qui est plus agressif. Et là, on a gagné 0,3 degrés en carrossage. On a la même chasse. Donc la chasse ne fait pas nécessairement l'agressivité. Et en électronique, on est plus bas. Et donc, comment est-ce que tu expliques ça? Est-ce qu'on est sur un setup agressif? C'est-à-dire que si je veux aller encore plus agressif que ça, j'augmente le carrossage. Est-ce que la logique est bonne? Donc là, on est sur le setup agressif, là, ou agressif. On est sur le setup sécurisé? Ouais, agressif. Ok, donc là, on voit on a un carrossage plus élevé à l'avant. Exactement. Le carrossage à l'arrière, il est resté le même. 0,3. Donc là on a baissé en électronique. Ça, c'est très important. Donc le réglage sécurisé vous bride niveau électronique. C'est ce que je disais au début. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tu vas mettre tes pressions que tu avais. Tu te rappelles les pressions que tu avais? Ouais. Je t'incite à mettre les pressions que tu avais. Laisse 3,8. Hein, laisse le carrossage sécurisé. Agressif, enfin en termes de carrossage, même chasse. Ça, on va juste toucher les pressions. Tu vas faire 4 tours avec le setup agressif et juste avec les pressions que tu avais, bien sûr. Ok, donc j'avais 26-1. Pourquoi est-ce que les pressions du jeu ne sont pas bonnes? J'ai vu une phrase sur ton chat, Naga. Ouais. Tu peux me permettre de la lire? Bien sûr. Je rencontre des soucis de freinage et je ne sais pas comment m'améliorer. Quand j'essaie de prendre les points de freinage des personnes plus rapides que moi, je suis beaucoup trop long. Un conseil. Jean-Philippe Guillermo, si tu as un souci au freinage, je vais te conseiller quelque chose qui va peut-être t'aider. Augmente la chasse. Jean-Philippe Guillermo, c'est pour toi. Voilà. Je voulais te conseiller. C'est un très bon conseil. Si tu augmentes ta chasse, tu seras peut-être meilleur au freinage. Jean-Philippe Guillermo, je peux peut-être vraiment te l'affirmer. Voilà. Okay, si tu as un souci au freinage, c'est la chasse que tu augmentes. La chasse, comme on avait dit avant, on avait dit que le carrossage, c'est entre le pneu et le châssis, c'est l'angle du volant qui fait ça. Et la chasse, si on se remet comme ça, c'est plutôt l'angle qui touche le pneu. Et là, il veut dire qu'augmenter la chasse, on arrive un peu plus comme ça au niveau du véhicule. Et donc j'imagine que c'est comme la Harley Davidson, où on a les pneus un peu plus en avant par rapport au véhicule. Et donc le freinage, il est beaucoup plus en appui que si la chasse était d'origine. C'est ça que tu veux dire, pour ceux qui comprennent, le pneu d'une moto, ok, et la Harley Davidson, on a les pneus qui est vraiment avec une chasse qui est exagérée. Et donc en fait, pour comprendre ce concept, la chasse c'est plutôt cette inclinaison là, et le carrossage c'est l'inclinaison sur les côtés. Est-ce que j'ai juste Redouane? Exactement, hein. C'est l'empattement entre l'axe des pneus à l'avant et l'axe des pneus à l'arrière. Donc plus l'empattement il est élevé, la chasse est élevée, tout simplement. Et exactement, plus vous avez moins de chasse, l'empattement, donc la distance entre les pneus à l'avant et à l'arrière sont plus petits, et donc forcément ça pourrait permettre d'avoir une voiture beaucoup plus maniable dans les parties lentes, mais niveau freinage c'est pas top, voilà. Et donc là j'ai refait les pressions avec le setup agressif, et normalement avec un carrossage plus élevé je dois être plus rapide, c'est ça que ça veut dire l'agressivité. Mais où se situe la limite? Pourquoi ils ont limité ça à moins 4 et non pas à moins 10 par exemple? Je sais pas, moi qui suis noob là-dedans. C'est-à-dire moins 4. Ah, tu parles du carrossage? Ouais, pourquoi c'est pas un peu plus élevé? C'est-à-dire c'est la limite du châssis, j'imagine. Bah ça, c'est un setup pré-réglé agressif. Donc c'est un setup qui est potentiellement plus rapide. Là, je pense que tu vas le prouver en faisant un chrono, Naga. Tu vas le prouver assez facilement, je pense. Tu vas pas améliorer de 1 seconde 5 hein, avec le setup agressif. Par contre, je pense que tu seras plus rapide de à peu près 3 dixièmes. Je pense que 3 dixièmes, tu peux aller les chercher. D'accord. Voilà. Donc en gros, le setup agressif proposé du jeu, c'est un setup qui est fait pour aller plus vite que le setup sécurisé. Mais à mon goût, à mon sens, à mon niveau, et beaucoup de gens ont pas mal d'heures sur ACC. Pour les gens qui ont beaucoup d'heures sur ACC comme moi, le réglage agressif, il est bien, mais il y a bien mieux en termes de setup. Pour ceux qui débutent Assetto Corsa Competition, le réglage agressif est très bien. Voilà, faites-vous la main avec le réglage agressif. C'est le sujet de cette masterclass numéro 2, c'est de discuter qu'au-delà de l'agressif, c'est vraiment d'arriver sur le setup avancé, et surtout, comment est-ce que les aliens, je sais pas si on peut t'appeler alien, mais en tout cas, les aliens règlent leur voiture pour aller plus vite. C'est vraiment le sujet, et on va y arriver dans quelques minutes, voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser et gagner du chrono. Aller encore plus loin que l'agressif.
Ah, là, la masterclass. Là exactement, là ce que tu vas faire, c'est que tu vas me faire deux tours Naga. Ok. Donc pour voir si l'amélioration du chrono va être là. Parce que là, nous ce qu'on veut, c'est des preuves. On veut des preuves. Ça, la théorie c'est bien, la pratique c'est mieux les amis. Moi personnellement, je préfère la pratique que la théorie. Même si la théorie c'est très intéressant, c'est très culturel. Enfin, voilà, c'est de la culture quand même. Bon, c'est de la culture mécanique, hein. Mais je préfère la pratique à la théorie. Et nous, ce qu'on veut, c'est des preuves. On veut voir Naga aller plus vite avec le setup agressif qu'avec le réglage sécurisé. Comme ça, au moins, vous avez la preuve en image que le chrono que Naga va faire va améliorer le temps avec le réglage sécurisé. Voilà. Donc là, on peut voir, on est sur Zolder, hein, on est sur Zolder. Naga, je te laisse gérer, te concentrer pour pouvoir améliorer ton chrono. Et moi, je vais essayer de regarder un petit peu ce qui est marqué dans le chat tranquillement. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas posé moins 4, tu veux dire moins 0,4. On parle de. Quand tu dis moins 4, tu veux dire moins 0,04. Arnaud, elle, je pense qu'il parlait du carrossage, Naga, à ce moment-là, quand il disait moins 4. Je pensais qu'il parlait du carrossage, Arnaud. Donc le carrossage actuel, c'est moins 3,8. Et quand il dit moins 4, c'est avoir moins 4 de carrossage. C'est des degrés, bien sûr, Arnaud. Je suis heureux, le Mans, c'est le jour de mon anniversaire. Je ne sais pas si je vais voir comment cadeau. Netflix, bon anniversaire alors, du coup. Enfin, d'avance. 51, toi tu m'as lancé 1. Les pneus sont en dessous de 80 degrés, c'est trop bas. Ludo et nous, très bonne intervention. 80 degrés, si on est en dessous de 80 degrés, c'est trop bas. Exactement, Ludo et nous. Ça, on verra ça par la suite avec le réglage. Donc là, je te laisse faire un tour en Naga. Ok. Je gère. C'est mini 70, ça passe 80. 80 ça passe, en dessous de 80 ça commence à devenir un peu spécial en G-Chris. Moi personnellement je vise 80 et 90 degrés sur les pneus. Si je suis au-delà, bah c'est trop. Après il y a des circuits où on est obligé d'être au-delà de 90 degrés parce que voilà le pneu prend beaucoup de contraintes sur le train avant gauche ou le train avant droit, ça dépend. Et quoi d'autre, 90 degrés, c'est la limite. Au-delà de 90 degrés, alerte rouge, quand même. Avec une chasse à moins 4, il faut une suspension qui travaille bien pour utiliser les pneus, sinon ça glisse. Exactement, après oui, c'est un constat, Alex Vento. Mais là, par la suite, on va le voir avec Naga. La partie la plus importante du setup, à mon sens, et beaucoup de gens pourront le confirmer, c'est la partie aéro. La partie aéro du setup, c'est vraiment l'endroit où on peut gagner du temps. Voilà. Vas-y Naga, hein, vas-y dites-moi le tour. Voilà, 4 dixièmes de mieux, comme tu l'as dit. Redouane, quand je freine en courbe, j'ai parfois l'arrière qui cherche à passer devant. Pourtant, je suis à 60% sur l'avant en frein et la voiture, elle a Lexus. Ok Arnaud, 60% c'est quand même un brake bias qui est élevé. Après, c'est normal, la Lexus, donc moteur avant, normal que la voiture a beaucoup de pourcentage sur le brake bias sur l'avant. Voilà, Redouane, 4 dixièmes de gagné, comme tu l'as dit, okay, entre 3 et 4. Une 2900, donc le réglage agressif. Donc là, vous avez bien vu, il a gagné 4-5 dixièmes du réglage sécurisé avec le réglage agressif. Donc c'est plutôt bien, hein, c'est quand même intéressant. On est en dessous de la minute 30, donc c'est relativement très rapide sur Zolder. Donc bravo Naga. Donc là, on a fini le setup agressif. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, on va faire un setup plus avancé. Voilà. Moi, je veux un setup d'alien. Voilà. Cassez-vous, je veux un setup d'alien. Voilà. On a le 2900 de Naga qui vient de faire. Là, ce qu'on vise, on se met des objectifs quand on fait un setup, c'est la progression et l'amélioration du temps. Là, ce qu'on va viser, c'est d'aller chercher le 1.28. Il est en 1.29.100. On n'est pas encore en 1.28. Quand on rentre en 1.28, ça y est. Là, ça y est, c'est la cour des grands. On va manger un grec ensemble. Donc là, du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas partir sur la partie aéro. Tout de suite. Okay, la première chose. Pour toi, l'aéro, maintenant, on y va. Vas-y, on y va. Go. Tout de suite, partie aéro. Bim, bam, boum. On va tout de suite sur l'aéro. Une fois que t'es sur l'aéro, bon, il y a un petit décalage, Naga. Tu vas regarder le Discord, je crois. Tiens. Sur le Discord, ok. Ok, c'est bon. Oh, nice. Donc là, sur la partie aéro. Là, on voit aile arrière A6, la conduite des freins 4-4. Okay. C'est plutôt convenable. Est-ce que tu peux faire un petit tour sur les pneumatiques? Parce que la conduite des freins, c'est les écopes.
On va regarder donc la température des pneus, 80, 81, on va regarder le milieu, donc 81 à gauche. Donc le circuit Isolder, c'est un circuit qui tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donc les pneus qui prennent le plus en chauffe, c'est les pneus qui sont à gauche. On voit à l'arrière, Naga, que ça manque de température. Ouais. On voit bien. Ouais. Donc ça manque de température. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à l'avant, je pense que c'est pas trop mal. À l'avant, okay, tu vas laisser donc le même écope de frein, et à l'arrière, tu vas baisser d'un clic, ok? Ok, donc pour rappeler, pour la bonne température, c'est entre 80 et 90, donc 90, entre 80 et 90 degrés de température, et donc à ce moment-là, on ferme l'arrière pour garder la température et augmenter la température du pneu arrière, du train arrière. Exactement. Exactement, donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a fermé un petit peu cette entrée d'air qui permet de refroidir les écopes, enfin les freins, donc les disques, et ce qui permet aussi de garder la température du pneu, donc ça permet d'avoir de la température dans les pneumatiques. Voilà, donc là tu as fermé donc l'arrière. Une fois qu'on a fait ça, ce qui va se passer, c'est que Zolder, pour moi c'est un circuit, donc vous avez compris, je l'avais déjà dit dans Masterclass 1, pardon. Il y a plusieurs types de tracés. Il y a les circuits low aéro, les circuits mid aéro et les circuits full aéro. Zolder, pour moi, c'est un circuit full aéro. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'aile arrière, donc l'aileron arrière de la voiture, on le met au maximum. Ok. Celui-là, on le monte à max. Maximum. D'accord. Donc, d'accord. Déjà, ce qui va se passer, c'est que la voiture va être beaucoup plus d'air donc sur l'aileron arrière qui va permettre d'avoir... qui va engendrer donc de l'appui aérodynamique et potentiellement une meilleure motricité de la puissance de la voiture en sortie de virage. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tout de suite, moi, je vais partir sur un setup qui est plus agressif que le réglage agressif. Donc on a mis full aéro. Tu vas partir sur la hauteur de caisse à l'avant, s'il te plaît. Ouais. Et tu vas baisser. Donc là, vas-y, descends. Un clic, deux clics. Je veux voir un peu. Le minimum, c'est combien? C'est 50, ok, 50 ça peut faire beaucoup, mais ça peut être très intéressant. On va partir sur 51 parce qu'il y a quand même un vibreur. D'accord. Quelques vibreurs qui peuvent un peu interférer, donner quelques turbulences. D'accord. Et là, ouais, on voit la variation frontale qui a changé, donc 1,4%. Donc c'est l'appui aérodynamique de l'air sur la voiture, et tout de suite, ça vous permet d'avoir un train avant bien plus incisif de ce qu'on avait. Il me semble que ce qu'on avait au départ sur le réglage agressif, c'était 0,3%. On a gagné 1% de pleine charge d'aéro. Donc là, tu sauvegardes. Voilà. Je vais revenir sur l'agressif de base. Attends, c'est pas juste. Attends. Ouais, on avait 1.4. Ah si, on avait un 4. Donc on a gardé la même variation frontale, sauf que vu qu'on a changé l'appui aérodynamique, exactement, c'est différent. Okay. Donc là, tu repars sur setup que je t'ai demandé de faire. Donc là, 51, 64, ok. Donc on a gardé donc la même variation frontale, donc c'est bon signe. Le comportement de la voiture va pas énormément changer, un petit peu quand même. Mais là, on a gardé la même variation aérofrontale. Donc là, on a mis full aéro, on a baissé la hauteur de caisse à l'avant. Ça, c'est très important. Ça va permettre d'avoir un train avant incroyable, et je pense que tu vas le ressentir. Donc là, tu peux repartir, faire un tour tout de suite, Naga. Et là, le but, c'est de passer en dessous dès la minute 29. Je le garantis. Attendez, les gars. Attendez. Pas de pression sur moi, déjà. Et ce que je voulais dire, c'est... Ça veut dire que... En changeant quelques clics dans l'aéro, je gagne une demi-seconde. Bah là je garantis une amélioration de... On va dire 3 à 4 dixièmes. Je garantis. Qu'est-ce qui se fait... Peut-être que là. Alors, je garantis. Ça dépend. Ça dépend, Naga. Parce qu'en vrai, là, on a vraiment bien modifié la voiture. La voiture, elle sera beaucoup. Un petit peu plus dure à conduire que ce que tu avais, Naga, juste avant. Mais vu que je connais un peu ton niveau, Naga, je pense que tu vas améliorer ton chrono. D'accord. Let's go, tu peux partir. Vas-y. Bon, les gars, petite parenthèse. On est 100 à regarder le live. Les gars, lâchez-moi vos pouces bleus. Parce qu'il y a plus de 40, plus de 50 personnes qui regardent et qui lâchent pas le pouce bleu. On lâche le pouce bleu pour supporter la chaîne et pour nous remercier. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Au plus vous avez des pouces bleus, au plus YouTube va recommander le live à d'autres personnes. YouTube n'est pas une plateforme de streaming. Elle a besoin de vos actions pour pouvoir la promouvoir vers les autres. Donc n'oubliez pas de liker, c'est très important que vous le regardez en rediffusion ou alors pendant ce live. Allez, c'est parti. Loco Bay se met en place. On y va, no pressure. Hop, c'est bon, l'aéro, ok. Alors, j'ai une remarque pour toi, Redouane. J'ai récemment fait des petites vidéos avec Mathias Kuhn,
qui dit que qui roule avec la BM et qui fait aussi des temps astronomiques du type comme toi, et dit que sur la BM il faut aller à 50 d'office. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça, à l'aéro frontal, c'est-à-dire l'aéro avant du véhicule, la hauteur, la mettre d'office à 50? Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord, ou ça dépend? Je suis d'accord à 100%. T'as vu, je t'ai dit de mettre 50, ouais. Mais je me suis dit peut-être que ça sera peut-être un peu trop violent. Donc c'est pour ça que je t'ai mis un clic de plus. Mais oui, moi, le premier réflexe que je mets tout de suite pour tester un peu la voiture, c'est de baisser la hauteur de casse au minimum à l'avant. Là, par c'est contre, tu vois, dans les virages, j'ai plus besoin de relâcher l'accélérateur pour pouvoir tourner. Je sens qu'il y a quand même beaucoup plus d'appui à l'avant, tu vois. Et la voiture est beaucoup plus sensible et directionnelle. J'imagine que c'est totalement adapté au type du circuit. Bah là, pour le coup, Zolder, c'est un circuit, donc il faut de l'aéro et il faut du train avant. Le truc, c'est que il y a quand même des vibreurs, ça peut être dangereux. Mais moi, je garantis, Naga, si tu te concentres, parce que voilà, faut quand même se concentrer, hein, c'est pas... on tourne pas les pouces, hein, sur... ouais, exactement, hein, c'est ouais. Là, le 1.28, les amis, c'est des chronos, on va dire, intergalactiques, hein, on est quasiment sur une nouvelle planète. Donc, il faut quand même se concentrer, c'est un jeu de simulation, et le 1.28, c'est un très très bon temps. Les gars, l'eau, c'est meilleur. Donc Naga, t'as la pression un petit peu, parce que moi, je garantis à tous tes viewers, avec les petits changements qu'on a fait, que tu vas améliorer de 3 à 4 dixièmes. D'accord ? Bah ouais, à répondre en live. Pas de soucis, je regarde un petit peu ce qui est écrit. Il est comme à la Matmut Red, il garantit. C'était pas mal. Tu vas faire rire, André Chris, il est trop stylé. Je lâcherai quand tu seras aussi rapide que Redouane. Quand tu seras aussi rapide que Redouane. Darera, t'as envoyé un petit pic à Naga. Naga, il est déjà sur sa planète. Ok. Donc, Alien Naga. Naga, c'est un alien, les amis. C'est un petit alien. C'est un alien qui apprend à parler la langue. Voilà. Quel salaud. Apprend à parler la langue. Donc là, on voit un peu le comportement de la voiture. On est tout de suite sur le premier tour et on voit un petit peu donc le véhicule qui a l'air d'être pas forcément plus facile à conduire. Non. Mais intéressant. Le comportement a beaucoup changé, hein, Naga. Ouais, surtout l'avant du véhicule est beaucoup plus incisif et les freins sont. Je peux les retarder un peu plus. D'accord, ok. Donc là c'est ton premier tour. Faudra que tu te concentres pour le tour d'après. Parce que je veux que tu ailles plus vite, hein, Naga. Hein. Vraiment, ça c'est important. Enfin, je veux. Tu roules comme si tu roulais tout à l'heure, mais tu dois rouler plus vite. D'accord. Après, peut-être que le setup ne va pas te convenir. Donc je te laisse gérer ça à ton pilotage, bien sûr. Les pressions sont bonnes, 27.3. Sur ce tour-là, normalement, Naga, tu dois être capable d'améliorer. Si tu n'améliores pas sur ce tour-là, on va regarder le potentiel au niveau du chrono. Donc, voilà, virage par virage. Déjà, on a remarqué que t'as. Ouais, donc là, la voiture est beaucoup plus incisive. Donc là, on a vu, il a fait le même chrono hein, au premier tour lancé. Il y a du potentiel sur la voiture, ça c'est une certitude. Donc c'est à lui de maîtriser. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire 2-3 tours, les amis. Après, si au bout du troisième tour lancé, vous sentez que c'est compliqué, vous n'arrivez pas à améliorer, il faut pas forcément abandonner. Il faut peut-être repartir, mais c'est en mauvaise voie quand même. On est sur une mauvaise voie. Bien foiré quand même au secteur 1. Voilà, tu vas repartir sur un autre tour, Naga, si ça te dérange pas. Ça va. Mais t'as récupéré quasiment 2 dixièmes. Ouais, c'est ça. Dans le secteur 2. Donc le potentiel, il est là, les amis. Le potentiel, il est là. Malheureusement pour lui, c'est une question de pilotage. Dommage, tu restes qu'un humain. On est tous des humains, Golden. C'est juste une question d'expérience, en fait. Tout simplement.
Donc là, il y a une amélioration du chrono de 1 dixième, sachant que t'avais quasiment 2 dixièmes et demi de perdu avant. Donc là, je te laisse gérer le premier secteur, bien sûr. Ah, foiré. Bon, j'avais 3 dixièmes d'avance sur le premier secteur. Incroyable, 3 dixièmes d'avance. Les amis, on est en 1.28.6 ouais. sur Zolder. Là, on commence à vraiment taper des chronos excellents, les amis. Excellent. Vraiment, c'est excellent. Je vous le dis. Donc là, avec ces petits changements, à partir de quel chrono on est bon sur Zolder? 1.28, Julien. Quand tu es en 1.28 sur Zolder, tu peux participer à n'importe quel championnat. Tu vas te battre. Tu vas te battre avec beaucoup de pilotes. De ton niveau et le niveau sera très bien, enfin sera très relevé. Donc là on a vu le potentiel que tu avais. Ce qui va se passer c'est que là on va encore accentuer la capacité donc de la voiture. Donc tout de suite là ce qui va se passer c'est qu'on vérifie les degrés des pneus à l'arrière. T'as vu 82 83, on est déjà beaucoup mieux. Ouais. À l'avant gauche pareil, 83 84, on est quand même pas mal. C'est normal qu'à droite on soit à 75 les amis, parce que comme je vous ai dit, un circuit, on tourne en rond et forcément, il y a plus de virages dans le sens du circuit que dans l'autre sens. Donc, à droite, c'est normal que les pneus soient moins chauds. Il faut vraiment vous fier sur les pneus qui sont en contrainte. Donc, d'accord. Ce qui nous intéresse, c'est les pneus qui sont à gauche. Donc, 84 degrés, 83 degrés, franchement, on est quasi idéal. On est okay. Quasi idéal. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on va changer maintenant pour aller encore plus vite? Là, tout de suite, on va chercher le carrossage. Le carrossage, on met le carrossage à moins 4 à l'avant. Et à l'arrière, on met moins 3,5. Full carrossage. Bim. C'est comme ça qu'on fait les... Il n'y a pas de 36 conseils. Full carrossage. Avec plus de... Moi, en fait, les sensations que j'ai eues pendant ce tour-ci, j'ai eu l'avant hyper directionnel et j'ai eu l'arrière qui battait, tu vois. Je sentais un peu qu'il partait un peu dans tous les sens. Est-ce que c'est typique du setup? Est-ce que c'est typique de ton pilotage? Parce que je sais que tu aimes bien ça. Ou est-ce que c'est un problème de réglage? Comment on peut régler ça? On va régler ça, c'est très simple. Tu sens l'arrière qui part un petit peu en sucette, c'est ça, ouais, un petit peu, ça, Naga ça, ouais. Si on peut être un peu, on va dire, familier. Donc là, tout de suite, quand j'y sucette, hein, je parle de la sucrerie, bien sûr. du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller sur la partie aéro, Naga. Ouais. Et on va essayer de régler ça, le fait que tu as l'arrière qui est un peu, on va dire, un peu plus compliqué. Tu vas sur la partie aéro tout de suite et tu vas... Attends, pardon, pas le Discord... Il est où le Discord? Il est là, pardon. Et tu vas baisser donc la hauteur de caisse à l'arrière, tu vas passer à 62 mm, ok? C'est-à-dire que deux clics, voilà. Ça enlèvera ce jeu de ballot. Exactement, exactement. 62 mm, ça va enlever ce jeu. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tu as fait le full carrossage, tu as mis la voiture, full carrossage. Est-ce que au niveau du frein, t'as un feeling ou pas, ou c'est trop c'est trop léger le feeling au frein? Ouais, j'ai l'impression qu'il est léger, ouais. Il est léger, ouais. Alors ce qui va se passer, c'est que sur Zolder, c'est un circuit, il faut extrêmement solliciter les freins. On va augmenter la chasse. Tout à l'heure, il y avait, je sais plus comment tu t'appelais, Julien, je crois, il me parlait des freinages. On va augmenter la chasse. Parce que Zolder, il faut vraiment freiner et on sollicite énormément le frein. Donc là, tu vas passer de 8-7 à 10. 10 direct. Ouais, 9-9, voilà. Donc pas là, ce qui va se passer... À l'arrière, il n'y a pas de chasse. Hein. Non, c'est dans... Il n'y a pas de chasse à l'arrière. L'empattement, c'est à l'avant. Donc sur le là, je vais avoir un freinage incroyable, mais une rotation non, du véhicule. En fait, tu vas peut-être pas forcément avoir un freinage incroyable, mais tu vas avoir un ressenti au freinage bien plus important. Tu vas pouvoir tu vas essayer de le décrire, si tu peux, en faisant ton premier tour lancé. tu le décris un petit peu. Naga, t'as pris quoi? Tu te dopes. Toi, tu sais. Toi-même, tu sais. J'ai rien pris. On est là. On est. Merci beaucoup pour ton abonnement. MX Online West. Merci à vous, les gars. Je pense qu'on est arrivé. Alors, pour moi, c'est un live très spécial. Parce que c'est un live où probablement on va passer aux 4K abonnés de ma chaîne YouTube. Après un an et demi de YouTube, je suis très content. Merci à tous. Et je pense qu'on est déjà passé. Je sais pas, j'ai pas encore regardé les stats. Mais à mon avis, on y est. Parce qu'il manquait que quelques abonnements. Donc, déjà, je voulais aussi passer ce live pour remercier tout le monde, tous les abonnés. Allez, on repasse donc à 9,9. À l'avant, est-ce que je change autre chose? Je change rien d'électronique? Là tu repars. Là en électronique on laisse pareil. On laisse pareil, on laisse tout pareil. On laisse pareil. Le réglage électronique
du réglage agressif, je le trouve vraiment bien. D'accord. Personnellement. Ensuite, ce que je te propose, c'est à la prochaine arrêt, de passer sur les réglages amortisseur et adhérence mécanique et d'en parler un peu. Vas-y, oui, direct après. Là par contre, je reconnais qu'à l'avant, j'ai beaucoup plus de sensations du jeu d'amortisseur, tu vois. Je sens exactement, l'amortisseur qui joue là, en fait, là, tu vois. Là tu vas ressortir quelque chose de très intéressant au niveau du freinage. Vraiment les amis, si vous avez un sorte de petit flou à vos freinages, augmentez la chasse. Ça va vous régler votre souci de ce petit flou là qui vous dérangeait pour enchaîner les secteurs. T'es à là, 4K, que... félicitations. Merci Galio. Ouais, GG Naga pour les 4K. Merci, nice. Merci. Un maximum de GG dans le chat, hein, les amis. Naga qui fait du bon taf hein, sur YouTube. Vous le connaissez, hein, vous le connaissez assez bien. Et franchement, les vidéos sont très intéressantes. Il propose beaucoup de contenu, plein de contenus différents, de l'actualité un peu sur ce qui va sortir. Et puis, il joue à d'autres jeux, hein, pas forcément que ACC. Donc c'est cool, hein, ça vous permet de voir un peu d'autres jeux de voitures autres que ACC, parce que il n'y a pas que ACC les amis dans la vie. Il y a e-racing, il y a Air Factor, il y a Automobilista, il y a Race Room, il y a Gran Turismo aussi. D'ailleurs, Daga, il me semble que tu viens de Gran Exactement. Turismo à la base. Je viens de Gran Turismo. Donc voilà, hein, GG à Naga pour tout le contenu qu'il propose. Donc là, ton ressenti c'est quoi Naga? Alors, mon ressenti c'est que j'ai un meilleur feeling au volant et au frein, mais j'ai l'impression que le véhicule tourne pas super bien. D'accord, ok. Donc là c'est que moi il y a une chose qui revient souvent, c'est il y a que le chrono qui parle. Voilà, c'est que le chrono qui discute. Le chrono discute les amis, il est vivant, le chrono est vivant. Les gens vont me paraître fous, vont me paraître aware comme JCBD, mais je vous le dis, le chrono il parle. On est sur Zolder, un circuit très 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 technique. Hein. Zolder c'est un circuit ultra ultra technique. Donc c'est un circuit où il faut vraiment vraiment sentir un peu le véhicule et se mettre un peu dans l'ambiance. Donc là comme on a quand même 2 dixièmes d'avance sur le premier tour lancé, c'est intéressant. On essaie de voir le potentiel de la voiture avec les tours de Naga en direct. Que là il doit nous prouver. Peut aller plus vite, sachant que il avait une petite perte d'adhérence. Il a dit que ça tournait un peu moins bien quand même. Ouais. C'est un peu le ressenti qu'il avait. Donc peut-être que la chasse qu'on a augmentée c'était très intéressant. Non, c'était très intéressant. C'est juste la hauteur de caisse à l'arrière, on l'a diminué. On a diminué la hauteur de caisse à l'arrière, Naga. C'est pour ça que ta voiture tourne moins. Parce que si on diminue la hauteur de caisse à l'arrière, t'as moins de rotation aussi, Naga. Si tu veux, il faudrait que peut-être que tu réessayes avec la même hauteur de caisse. C'est toi qui m'as dit la hauteur de caisse c'était peut-être un peu trop élevé. Mais ça va peut-être t'aider pour certains virages. Il faut s'adapter aussi au setup. Aussi, très important. Il faut être aussi très concentré sur le jeu. Parce qu'on parle d'un jeu de simulation. On a 3 dixièmes. Et demi, 3 dixièmes plein sur le setup, enfin sur le tour d'avant. Très intéressant. On a toujours ces 3 dixièmes, donc c'est à toi de gérer. Pas besoin de freiner tard, Naga. C'est à toi de gérer la sortie de virage. Ah, dommage que t'as pris le vibreur là. Mais on les a les 3 dixièmes. Hein. On les a. On les a clairement les 3 dixièmes. Le potentiel, faut voir le potentiel. C'est l'histoire de potentiel. Vrai que enchaîner des tours, c'est compliqué. Des fois, on peut pas tout le temps enchaîner les meilleurs secteurs. Mais il faut absolument détecter. Et ça, c'est vraiment l'instinct du pilote, les amis. Si vous voulez progresser, il faut vraiment comprendre et détecter le potentiel de la voiture avec un setup. Il faut le détecter, il faut le sentir. Si vous n'arrivez pas à sentir le potentiel, c'est que là, il faut vraiment refaire peut-être un travail sur soi-même et de comprendre pourquoi j'arrive pas à trouver le potentiel de la voiture comme ceci. Il faut vraiment le sentir. Et ça, c'est au niveau du delta. C'est pour ça le delta, des fois, beaucoup de gens disent qu'il faut l'enlever le delta.
moi je vous conseille de toujours garder un delta, de savoir si en virage, après chaque virage, savoir si vous améliorez ou pas votre chrono. On a amélioré le chrono, hein. J'ai vu là, t'as amélioré 2 dixièmes. Voilà, encore raté, ouais. Ouais, c'est la bosse du pif paf à gauche, à droite. Ouais, dommage parce que t'avais 3 dixièmes plein et t'as récupéré un petit peu même à la fin. Donc le 28-7, c'est propre les amis, 28-7. On parle de 1-28 les amis, c'est très très rapide sur Zolder. On est sur Zolder, un circuit qui est en Belgique chez Naga. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi ce circuit d'ailleurs. Et franchement, le potentiel, il est là les amis. Il est vraiment, là. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aller chercher un meilleur chrono? Ce qui va se passer... La chasse, est-ce qu'on la modifie ou pas? Alors la chasse, moi je te conseille de la garder cette chasse. Okay. Parce que le feeling, tu l'as. Il va se passer, tu vas partir dans la partie aéro et après on va aller dans la partie adhérence mécanique, ok? Vas-y. Donc partie aéro, tu remets tes 2 mm que tu avais enlevé, voilà. Que je t'avais dit d'enlever parce que tu me disais que la voiture elle était un peu trop instable. Mais vu qu'on a rajouté la chasse, ça va rajouter cette stabilité et peut-être que ça sera meilleur. Donc la partie aéro, vas-y. Ouais, ah pardon, désolé. Alors, et tu remets donc les 2 mm, voilà. Alors pour rappeler une chose, pour faire une petite parenthèse pour les gens qui nous regardent. Alors... Pour être méthodique dans le setup, normalement, tu changes une variable et puis tu testes. Mais ici, dans le sujet de cette masterclass, on peut pas le faire parce qu'on n'a que 2 heures. Et sur 2 heures, on peut pas s'arrêter, faire. Donc on va faire plusieurs variables. Ce sera pas le setup parfait. Mais le but de la masterclass, ce n'est pas d'avoir le chrono parfait ni le setup parfait. Mais c'est surtout de vous donner les éléments d'amélioration et de modification. Par rapport à mon ressenti, qu'est-ce que je dois modifier? J'ai l'arrière qui change. Red One, qu'est-ce que je dois modifier? Et puis là, on a remis la chasse. On a expliqué que parfois, modifier une chose, ben on n'a pas trouvé le juste équilibre. C'est un clic, deux clics. Mais donc, il y a vraiment un équilibre à trouver. Et donc, un conseil, c'est dès que tu modifies un truc, ben, tu reviens sur la piste. Et là, à partir de maintenant, pour tous ceux qui sont là, plus les 110 personnes qui sont là, qu'il y en a qui n'ont pas encore liké le live, attention. Pour les 110 personnes qui sont là, vous comprenez le temps que ça prend de faire un setup. C'est incroyable le temps que ça prend. Et juste pour ça, il y a des gens qui font des setups, ça coûte très cher. Ben Redone propose aussi ses setups à 5€ par mois. Bon, il va pas faire des setups pour vous, mais en fait, il va partager ses setups personnels à la communauté. Donc n'hésitez pas à y aller. Et on va aussi parler, donc ce qui m'intéresse aussi énormément, ce sera d'ailleurs le sujet de la masterclass si on dépasse les 500 likes, les gars, parce qu'on est arrivé à 560 likes à la première masterclass. Celle-ci, on doit dépasser les 500 likes en rediffusion, surtout. Alors, ce qui est important, c'est le motec. Ce sera le sujet de la masterclass numéro 3, c'est le motec. Et donc ce motec-là, on va en parler aujourd'hui, mais on ne va pas le faire. Par contre, ce qui m'intéresserait, donc on est revenu sur le setup, on va revenir sur l'adhérence mécanique. Alors, l'adhérence mécanique, Redouane, c'est quoi en 30 secondes avant de passer sur tous les setups et pour défendre ça? C'est quoi l'adhérence mécanique, Redouane? L'adhérence mécanique, c'est simple, hein, c'est ce que vous pourrez proposer, parce que donc il y a l'adhérence des pneumatiques et l'adhérence mécanique, c'est tout le châssis qui vous donne donc le grip de la voiture sur le tracé. Il y a les pneumatiques et il y a le châssis. Et là, on rentre dans la partie châssis. Adhérence mécanique, c'est vraiment le châssis de votre voiture. Et quand je dis châssis, c'est suspension, barre stabilisatrice. Répartition du freinage, parce que ça, c'est une pièce mécanique qui vous permet de répartir le frein soit sur l'avant de la voiture, soit sur l'arrière de la voiture au niveau du châssis. Donc il y a vraiment de quoi faire en adhérence mécanique en termes de détails, parce que c'est des détails très importants. D'accord. Le châssis, c'est quand même très important. Et donc le châssis, voilà. À quel moment tu dois te dire je suis en train de rouler? Qu'est-ce que tu dois ressentir pour dire je dois aller là pour modifier quelque chose? Quels sont les éléments, la sonnette d'alarme en disant ah là il y a quelque chose qui va pas, je vais dans l'adhérence mécanique? Qu'est-ce que je dois me poser comme question? Qu'est-ce que je dois ressentir? Alors c'est simple, c'est quand on roule avec une voiture qui est à peu près réglée et qu'on veut aller plus vite, qu'il faut faire? Il n'y a pas de secret les amis, il n'y a vraiment pas de secret. La théorie c'est une chose, la pratique c'est mieux. Donc moi, personnellement, il faut faire du roulage avec différents tests. C'est-à-dire, vu que là, on est sur un setup
on va dire pré-réglage agressif modifié par mes soins dans la partie aéro. Ce qui va se passer, c'est qu'il faut durcir un peu les suspensions pour tester, voir si c'est pas mieux. Et si on voit que c'est mieux, donc en détectant le potentiel au niveau du chrono, on valide ou on valide pas. C'est simple. Si là, je vais demander à Naga de toucher donc l'adhérence mécanique, ce qui va se passer, c'est que je veux que tu rajoutes un clic de plus à la vitesse angulaire du volant. Donc la vitesse angulaire du volant, c'est la suspension à l'avant. C'est mal traduit, c'est la suspension à l'avant. Donc là, je veux que tu augmentes un clic la vitesse angulaire du volant à l'avant, et aussi tu rajoutes un clic à l'arrière. On va durcir les suspensions. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. J'ai une question pour toi, Redouane. J'ai des graphiques qui sont là. Est-ce que c'est une simulation du Motec? À quoi ça sert, ces graphiques, en fait? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Les graphiques qui sont affichés dans le jeu directement, c'est une supposition de l'amplitude de butée en fonction de la suspension et de la compression de la suspension. Donc en gros, si on peut faire court, on va dire, il faut avoir quand même une petite distance, les amis, de la petite barre rouge avec la petite barre jaune. Ça veut dire que si je fais ça, je suis tout en bas. Et si je fais ça, je suis tout proche. Et donc, j'ai beaucoup moins d'amorti. C'est ça que tu veux dire? Exactement. À l'avant, il faut quand même que la suspension fasse son travail. À l'arrière aussi, hein. Mais peut-être moins qu'à l'avant. À l'avant, c'est très important parce que les freinages... Okay. Et en fait, pour donner une idée, la gravité, elle est beaucoup plus forte. Mais à triple même. Elle est triple gravité au moment du freinage. Et quand on freine, le poids, il est où? Sur le train avant. Voilà. Ok. Et donc, pourquoi est-ce que je dois augmenter ma suspension, c'est-à-dire augmenter les newtons par mètre, ici, donc la force de mes suspensions, pour aller plus vite? Pourquoi? Bah, c'est-à-dire... là, c'est des tests, hein, Naga. Là, on part sur quelque chose, pour moi, qui, à mon sens, on va dire, c'est assez abstrait. Donc, c'est pour ça, la pratique... C'est là que ça rentre en compte. Un setup, ça se fait pas en une heure, les amis. Malheureusement, sur ACC, un setup, ça se fait pas en une heure. Mais ça se fait pas en deux heures, ça se fait en une journée. Mais un setup. La tendance, c'est que au plus dur, au plus on durcit les suspensions. La théorie dit que la suspension plus élevée améliore le grip en virage. Donc, si vous mettez plus de suspension, donc une suspension plus dure. En virage, vous passez plus vite. C'est de la théorie, ça. Donc, c'est pour ça que je t'ai demandé, Naga, de rajouter un clic de suspension à l'avant et un clic de suspension à l'arrière pour que tu puisses faire de la pratique et voir le potentiel si oui ou non tu vas plus vite ou pas. D'accord. Tout simplement. C'est comme ça que moi je fais. Et malheureusement, j'ai pas de solution miracle me disant ouais, j'augmente ça, bim, je teste et c'est bon, je sais que je vais aller plus vite. Non, malheureusement, c'est pas comme ça. Il faut faire des tests parce que la théorie me dit que si j'ai plus de dureté dans mes suspensions, je vais plus vite dans les virages. Et ben, c'est pas en me disant ça que je vais aller plus vite, c'est en disant ça que je vais tester, voir si ça va aller plus vite en fait. D'accord. Tout simplement. Et quelle est l'application du taux de butée et de l'amplitude de butée dans mon pilotage? Alors, est-ce que je dois modifier ça ou est-ce que je modifie ça dans un deuxième temps? Et quand est-ce que je dois modifier? Est-ce que j'ai un bon ressenti, pas un bon ressenti, pas assez de durcité? Comment est-ce que je dois ressentir ça? Alors, le taux de butée, c'est pareil, c'est une force aussi, c'est une sorte de suspension dans la suspension, okay. qui vous permet d'avoir une sorte de butée, on va dire, assez molle. C'est-à-dire que c'est une sorte de butée, mais pas en pièce métallique. C'est une pièce molle, on va dire. Enfin, voilà, la dureté, vous avez compris que 600 newtons, c'est que c'est une pièce qui n'est pas dure. Okay. Donc, elle est plutôt assez molle. C'est pas un... ça va vous permettre de voir quand la suspension va taper au moment de la butée. Est-ce que vous voulez que ça tape fort ou... que ça tape relativement légèrement et que ça fasse pas de turbulence. Donc si vous avez beaucoup de taux de butée, si ça tape, ça va vous causer des turbulences. D'accord. Voilà, et l'amplitude, j'imagine que c'est la hauteur du butée. C'est ça. Donc ça, c'est la distance que vous avez du taux de butée. Donc plus vous avez élevé en taux de butée,
c'est bien, c'est très très bien, mais ça peut vous causer aussi du survirage, surtout à l'avant. À l'avant, une amplitude de butée très élevée peut vous causer du survirage. Pourquoi ? Parce que l'amplitude de butée, ça joue aussi sur le freinage. Et ça joue sur l'aéro de la voiture. Si la voiture se plie sur le train avant avec une amplitude de butée qui est assez élevée, la hauteur de caisse à l'arrière va monter considérablement. Si la hauteur de caisse à l'arrière monte énormément par rapport à l'avant, la voiture peut être très instable. Par contre, en virage, ça peut être très très bien parce que ça peut vous permettre de passer très vite en virage si vous avez une hauteur de caisse assez élevée à l'arrière par rapport à l'avant. C'est un peu comme les Formule 1. La Formule 1 est quand même assez haute à l'arrière et basse à l'avant, comme on voit sur quelques photos de la Red Bull. De Verstappen ou de Checo Pérez, on voit que le train avant est vraiment piqué du nez, quoi. Là, effectivement, j'ai récupéré ma rotation du véhicule et je sens que le véhicule tourne beaucoup mieux. D'accord, nice. Donc là, t'as fait tes modifications, t'as mis la suspension et qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a mis les deux clics de plus à hauteur de caisse. Donc là, faut voir si tu améliores. Donc là, faut aller chercher le 28.5, Naga. Le 28.5, c'est dans tes cordes. Il y en a un qui dit Golden Tish, Gaëtan, qui dit qu'il faut être ingénieur pour faire des chronos sur ACC. Qu'est-ce que tu réponds sur ça ? Il faut pas forcément être ingénieur, parce que moi, je le suis pas. Je suis pas du tout ingénieur, Golden. J'ai de la théorie, je connais un peu de théorie, parce que voilà, j'ai beaucoup d'expérience sur les jeux de voiture, et en faisant plein de tests, j'ai compris 2-3 choses, on va dire. Des choses rudimentaires, qu'on apprend au fur et à mesure de jouer. Mais c'est plus la pratique, en fait. En fait, Golden Tish, c'est si t'es quelqu'un de motivé, Golden Tish, tu peux tester plein de choses sur la voiture. En fait. Et une fois que t'as testé plein de choses sur la voiture, tu roules et tu vois qui est mieux ou pas. Voilà. Par contre, ça, Golden Tish, détecter le potentiel de la voiture sur le setup que tu utilises, ça, c'est quelque chose de difficile à cerner. Si tu arrives à détecter le potentiel, t'as pas besoin d'être ingénieur pour faire un setup. Si tu t'arrives pas à détecter le potentiel, tu pourras pas faire de setup. Malheureusement, c'est comme ça. Je vais être honnête avec vous, les amis. Si vous n'arrivez pas à détecter le potentiel du setup, vous pourrez pas faire de setup vous-même. Donc là, Naga, t'es en plein tour de qualif. On va te laisser faire un petit tour. Moi, je regarde un petit peu le chat. Et merci, hein, merci les gens pour tous les likes que vous faites dans la vidéo. Vous êtes nombreux, les amis, ce soir, donc merci à vous d'être passé sur le live, ça fait plaisir. Pour Naga et puis même pour moi aussi, ça me touche. Donc merci à vous d'essayer de comprendre, d'apprendre aussi. Parce que le but, voilà, c'est de qu'on s'améliore tous. Hein. Même moi, j'ai besoin de m'améliorer, les amis. Même moi, j'ai besoin de m'améliorer, vous imaginez. Moi, je suis arrivé à un stade où je dois gagner 50, 1 dixième, pas plus. Il y a Naga qui doit améliorer 4 dixièmes, 5 dixièmes. On doit tous s'améliorer à notre niveau. On doit tous s'améliorer. Donc, tant mieux que vous soyez présents, tant mieux, parce que je sais qu'il y a vraiment des gens qui ont vraiment envie de s'améliorer. Donc là, Naga, il arrive sur... attends, je vais regarder en direct. Je suis un peu en différé. Hop. On voit qu'il a quasiment 2 dixièmes d'avance. Il a quasiment 2 dixièmes d'avance. Dommage qu'il a raté la chicane. Mais il avait 2 dixièmes d'avance. Donc c'est à toi de... Là c'est du pilotage, Naga. Je pense que tu manques encore un peu de train avant. Ou ça va? Tu trouves que ça va? Il manque un poil de train avant. Ok, bah s'il manque un peu de train avant, moi j'ai l'astuce. Mais déjà c'est pas mal. Hein. Le 28.5, là je le vois, les amis. Hein. Le 28.5, il est présent. Le potentiel, moi je le détecte. Et ce qui est bien, c'est que en étant spectateur... de quelqu'un qui roule, on peut donner vraiment le potentiel à la personne qui roule. Parce que Naga, il est en train de rouler, il n'est pas forcément en train de regarder constamment tout le temps le delta. Moi, je le regarde, je l'observe. J'observe vraiment mètre par mètre s'il y a du gain. On voit là, j'ai vu qu'il avait 2 dixièmes d'avance. Donc là, potentiellement, le setup, il a l'air de bien fonctionner. C'est juste une histoire de feeling. On le voit tout de suite, on le voit. Les pressions sont plutôt bonnes, 27.4, on est bien. Là, c'est le pilotage qui fait que Naga peut aller plus vite. On est sur Zolder, un circuit difficile, assez difficile, un Zolder très technique en Belgique. Il est très court, hein, le circuit, mais
Mais c'est un super circuit, vraiment très technique et très intéressant à rouler dessus. Allez. Ah, donc un peu le train avant, c'est dommage, mais tu as le potentiel. Donc là, est-ce que tu peux tenter un truc sur le setup? Vas-y. Parce que je vois qu'il manque encore un peu de train avant. Ce qui va se passer, c'est que voilà, le conseil que je donnais, que Mathias Kuhn l'avait dit, que tu m'as dit, c'est tout de suite, on va baisser la hauteur de caisse à l'avant au minimum. Voilà. Dans ce jeu, à cette Corsa Competition, il faut aller chercher le train avant. Le train avant, c'est la direction que vous avez sur l'avant de votre véhicule. Donc là, t'as mis à 50, tu repars tout de suite. Bim. Okay. Là, on cherche pas à comprendre. On a vu que j'ai vu que t'avais le potentiel des 2/10. Donc, c'est à toi de le maîtriser. L'objectif, c'est d'aller chercher le 1.28.4, Naga. Okay. Et 1.28.4, les amis, on est à 4/10 du 27. Et là, c'est les temps aliens, 27, les amis. 1.27, c'est les temps aliens. Donc, si Naga arrive à faire 28.4 sur Zolder, il est à 4/10 du temps alien. 27.9 étant un temps alien. Voilà. C'est ce qu'on appelle ça dans le jargon. Comme ça qu'on a décidé d'appeler ça. C'est cool, hein, c'est cool. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, les gars. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Moi, avec ma Porsche, je perds direct l'arrière et pars en glisse. Ça, Guigui Gaming, moi j'ai beaucoup été, et je le suis toujours, Guigui, un pilote Porscheiste sur Assetto Corsa Competition. Et depuis la mise à jour, Guigui, la voiture est devenue très difficile à conduire. Moi, si je peux te donner un conseil, Guigui, personnel, je te conseille d'enlever l'aileron à l'avant, donc ça s'appelle aile avant. Guigui, je te conseille de l'enlever, clairement, d'être toujours à zéro, Guigui, sur la Porsche, sur l'aile à l'avant. Et d'avoir une hauteur de caisse qui est pas trop haute à l'arrière, même si pour aller vite, il faut aller chercher la hauteur de caisse assez élevée à l'arrière. Guigui, c'est un conseil que je peux te donner personnel. Allez, Naga, on se concentre, c'est ça, Antoine R. Tu as raison, il faut aller chercher le 28-3, exactement, Antoine R. 28-3, il est jouable, c'est dans ses cordes. Et 28-3, Antoine R, je sais pas si tu connais Chrono sur Zolder, mais on est vraiment sur du chrono très 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 costaud. Comment régler le volant dans le panel Thrustmaster au niveau du réglage des forces? Bonne question, Galio 720, désolé, j'ai pas pu répondre tout de suite. C'est vrai que le réglage du volant, c'est quand même très important aussi sur Assetto Corsa Competition. On oublie de le dire, mais il faut vraiment son feeling. Galio 720, déjà, pour commencer, il faut trouver son angle de rotation. Et ça, c'est personnel, malheureusement, Galio 720. Très personnel, il faut vraiment trouver son angle de rotation qui vous permette d'avoir un bon feeling avec la voiture. Une fois que vous avez trouvé votre angle de rotation, les forces de FFB, c'est aussi assez personnel. Personnellement, moi, je vous conseille de regarder un petit peu ce que vous voyez sur Internet et d'essayer que vous voyez un peu les gens qui roulent sur Internet. Ça peut vous correspondre que ça peut ne pas vous correspondre. Ça peut faire les deux. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, j'utilise un Thrustmaster comme la gars. Et j'utilise les force feedback par défaut de Thrustmaster sur Assetto Corsa Competition. Voilà, moi j'utilise les setups par défaut de Thrustmaster. Voilà. C'est 100%, 0 en damping. 900 degrés dans le jeu, 900 degrés dans ma voiture, dans mon firmware. Donc c'est très très par défaut. Mon record sur Zolder, Marc Arnal, depuis la nouvelle mise à jour, c'est avec la Porsche que j'ai fait ça. C'était 27.5. Antoine R. C'est le chrono ultime que j'ai fait avec la Porsche. 27.5. C'est le... Depuis la mage, c'est le chrono que je suis allé chercher. Allez, concentre-toi que sur le pilotage d'un gars, on s'en fout. C'est moi qui te dis si t'es en avance. On a une hauteur relevée à l'arrière, ça glisse pas mal. Est-ce que c'est normal et que faire? Quand on a une hauteur de caisse relevée à l'arrière, ça peut être très bénéfique, mais ça peut vous jouer des tours énormément. Parce que du coup, ça vous fait perdre de la motricité et peut-être ça vous fait de la glisse
engendré, comme tu l'as expliqué, comme tu l'as dit, LB Motorsport. Ce qui est bien à faire, c'est de baisser donc la hauteur de caisse jusqu'à la limite de cette glisse qui est pas correcte, cette glisse, pour l'éviter. Voilà. Si on arrive à éviter cette glisse en baissant la hauteur de caisse à l'arrière, c'est bien. Après, on peut aller dans adhérence mécanique, LB Motorsport, pour justement gérer aussi le grip mécanique via donc le châssis pour éviter les pertes d'adhérence. Donc il y a un truc qui est pas mal, c'est la barre stab. La barre stabilisatrice, ça peut vous permettre de stabiliser un peu la glisse de la voiture. Donc plus vous en mettez, plus il y a de la stabilité. Mais aussi la stabilité engendre l'usure des pneumatiques aussi. Donc c'est un compromis à avoir. Par contre, depuis qu'on a durci la suspension, j'ai vraiment du mal à passer la chicane. D'accord, donc c'est pour ça la pratique, c'est très important. En fait, c'est la chicane, elle me perd tous mes dixièmes que je gagne, tu vois. Ok. Et en fait, tape la chicane, elle absorbe pas le choc. Ok, et bah là c'est un très bon ressenti que tu viens de me donner. Donc là, ce que tu pourras faire, c'est aller tout de suite dans le garage et tout de suite remettre la suspension. Donc au Newton qu'elle était juste avant, donc ouais. D'avoir un peu plus d'absorption et ça, donc, tu vois, au niveau des suspensions, parfois au détriment de la durcité de la vitesse angulaire, enfin la suspension, parfois il faut avoir un peu plus de souplesse pour pouvoir absorber les chocs, quoi. Attends, je réponds à Motorsport. C'est vrai, LB Motorsport, personnellement, moi je vais chercher de la limite du grip de la voiture. Donc je vais chercher une hauteur de caisse relevée à l'arrière, Motorsport. Si je vois que c'est trop, je baisse. Mais si je vois que c'est pas assez, je monte, Motorsport. Donc c'est pour ça, la hauteur de caisse à l'arrière, pour moi, c'est très très important. Et voilà, ça permet d'avoir du grip en virage. Et donc pour continuer encore sur l'adhérence mécanique, on a la barre anti-roulis, la puissance de freinage, la répartition du frein et le rapport de direction. La barre anti-roulis et la précharge du différentiel. C'est quoi ces éléments et quand je dois les modifier selon toi, Redon? Alors, c'est vrai que c'est important, hein, dans la direction mécanique, la partie donc avant, donc là on a un grand rectangle, c'est marqué barre anti-roulis, puissance de freinage, répartition de freinage, rapport de direction. Donc la barre anti-roulis, c'est quelque chose de très très intéressant mécaniquement parlant, parce que ça vous permet d'avoir un grip de plus suivant les virages. Donc en gros, la barre stab marche uniquement en virage, ça ne marche pas en ligne droite ni au freinage. C'est pas en mettant beaucoup de barres stables que vous allez avoir un meilleur freinage ou une meilleure accélération parce que vous êtes la barre stable. La barre stabilisatrice marche uniquement en virage. Donc plus vous en mettez, plus ça génère du grip sur le train avant, où ça compense la suspension, donc vitesse angulaire au niveau des pneus. Donc c'est assez compliqué à expliquer. C'est sur un schéma, ça serait peut-être un peu plus simple, mais c'est quelque chose de compliqué à comprendre, mais la barre stable vous permet d'avoir une compensation de suspension au niveau du roulis de la voiture. D'accord. Le roulis, je rappelle que c'est une sorte de passage en courbe où le pneumatique vous fait relever la suspension à l'avant à droite et vous fait aplatir la suspension à gauche, donc ça crée un déséquilibre. La barre stable, ça vous permet d'équilibrer ces suspensions sur le pneu à gauche et sur le pneu à droite, parce que je rappelle, les suspensions sont indépendantes. À gauche, la suspension gauche travaille seule, la suspension droite travaille seule, mais ça c'est indépendant, mais en même temps il faut que ça soit complémentaire aussi. D'accord, mais et la barre stable, quand je dois la changer, en fait, la barre anti-roulis, quand est-ce que, dans quel cas je me dis ah, c'est là que je dois changer? Et ben la barre stable va te donner une sorte de grip en plus. Donc si, admettons, ça c'est au pilotage, tu le ressens au pilotage. Si tu sens que tu as le train avant, que quand tu prends un virage, tu as l'impression qu'il y a une sorte de mouvement de la suspension qui te dérange. Genre comme si la voiture s'aplatissait, qu'elle remontait d'un coup, puis ça se raplatit. Ça se ressent un peu dans le force feedback du volant un petit peu. D'accord. Donc on augmente à ce moment-là la barre stable quand on sent que ça oscille de bas vers le haut. On le sent. Après, c'est vrai que c'est compliqué. C'est pour ça, la pratique, c'est important. Donc, si tu sens que l'avant, c'est un peu flou, tu augmentes la barre anti-roulis. Si tu sens que c'est pas flou du tout, eh ben, tu baisses la barre anti-roulis. Voilà, et l'arrière, comment tu la modifies?
pareil. Si tu sens qu'à l'accélération, c'est flou, tu sens que ça, il n'y a pas assez de grippe ou en virage, tu as le train arrière qui s'échappe instantanément, tu augmentes la barre anti-roulis. Donc clairement, par rapport à mon ancien feedback que j'ai eu avec l'avant, que je le sentais bien, et l'arrière qui partait en sucette, comme on disait, là, j'avais le choix soit d'aller en premier sur l'aéro et de diminuer la hauteur de caisse, ou alors d'augmenter l'aileron, mais l'aileron était déjà au max, soit d'aller dans la barre anti-roulis et d'augmenter. C'est ça que tu dis? Exactement, tu peux aussi jouer sur le grip mécanique pour pouvoir gérer aussi cette glisse, ce petit train arrière qui peut être un peu louvoyant. C'est ça un peu, hein, si on peut dire ça, louvoyer, vous connaissez ce mot. Ça permet de complémentariser un peu les suspensions dans son côté gauche et côté droit. Parce que je rappelle qu'une suspension, c'est pas relié. Certes, il faut que ça soit complémentaire. Et ce qui rend complémentaire la suspension gauche à la suspension droite, c'est la barre stabilisatrice. Et si on va à la puissance de freinage, pourquoi est-ce qu'on a 100%? Pourquoi il nous propose la possibilité d'avoir le freinage moins élevé? Alors ça, je vous dis honnêtement, après, il y a beaucoup de gens que je connais qui utilisent... Enfin, beaucoup de gens. Il y a peut-être 3 ou 4 personnes que je connais qui m'ont dit qu'ils utilisaient une pression de freinage moins de 100%. Non. Bloquer des roues parce que tu utilises la BS, tu vois. Oui, bien sûr, mais personnellement, moi, à mon titre personnel, moi qui fais... qui essaye d'aller chercher du chrono à constamment, jamais, jamais... Tu vas apprendre ça, ok. Jamais je vais descendre la puissance de freinage. Alors, jamais. C'est moto bridé, personnellement. La répartition du frein, c'est quelque chose que j'avais parlé dans mon ancienne vidéo sur celle très de important. Mathias Kuhn, quand il avait gagné 2 secondes sur moi, sur qui elle a mis. Alors lui, il a une répartition de frein à 52%. Parce qu'en fait, il a vraiment... La répartition du frein, comment on peut l'expliquer, Redouane? Est-ce que c'est... On freine comme en moto? S'il y a des pratiquants de moto, on a un double disque de frein à l'avant et un vieux disque qui sert à rien à l'arrière. Parce que ça va être très bien qu'en moto, pour pouvoir freiner la moto, c'est l'avant du véhicule. Et là, c'est un peu la même logique dans un véhicule. C'est-à-dire que quand tu vas freiner, tu vas d'abord freiner avec l'avant, c'est là où il va avoir le plus de force du véhicule. Et donc, le freinage est souvent réparti plus à l'avant. Parce que si on va à l'autre extrême et qu'on a le frein complètement à l'arrière, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va avoir l'arrière du véhicule qui va partir, on va plus avoir de direction. Et donc, clairement, on est un tout petit peu à l'avant pour pouvoir avoir plus de freinage et plus de contrôle. Mais ma question, c'est de savoir maintenant, j'ai une partie de la réponse grâce à Mathias Kuhn, mais est-ce que Redon, toi, tu peux donner ta version des faits? Quand est-ce qu'il faut modifier ça et sur quelle sensation il faut modifier ça? Alors déjà, c'est pas quand est-ce qu'il faut modifier ça. Enfin, c'est un conseil, un vrai, vrai conseil. Il n'y a même pas à chercher à comprendre la répartition de freinage proposée par le jeu, que ce soit en setup sécurisé ou setup agressif, je le trouve beaucoup trop penché sur l'avant de la voiture. Donc en gros, si on se rapproche de 50%, on bascule sur l'arrière. Si on se rapproche de 100%, on bascule sur l'avant en termes de pression de freinage. Donc en gros, je trouve beaucoup trop élevé, que ce soit en setup agressif ou en setup sécurisé. C'est pour ça que tout de suite, si vous voulez aussi améliorer vos chronos, il faut absolument baisser la répartition de freinage. Je dis pas qu'il faut baisser vraiment de fou, vraiment atteindre 50%. Ça dépend des véhicules. Là, on parle de la M4. La M4, c'est un moteur à l'avant. Il faut gérer entre 58, c'était d'origine, je crois. Ouais, c'est ça. Il faut, faut aller chercher 56, 55, 54, 53 pour les meilleurs. Parce que si on descend trop bas, c'est bien. Mais il y a risque aussi de perdre le train arrière au niveau du freinage, parce que ça peut bloquer les pneus à l'arrière. Donc c'est pour ça, faut gérer entre 53% et 56%. Au-delà, je déconseille. Voilà, très au-delà, je déconseille. Et le rapport de direction, c'est quoi? Le rapport de direction, ça, c'est quelque chose qui est personnel. Ça peut influencer sur le chrono, mais ça, c'est quelque chose de personnel. Moi, j'utilise un angle de rotation de 900 degrés dans le jeu et 900 degrés dans le firmware de mon volant. On parle de rotation de degrés. Toi, Naga, je crois, il me semble que c'est 720 degrés, toi, tu as mis. C'est ça. Voilà. Donc, on n'a pas donc, le même angle de rotation firmware parce que lui, il a décidé de rouler en 720 degrés et c'est personnel. Moi, je préfère jouer en 900-900 parce que le jeu reprend, on va dire, automatiquement ce que la voiture possède. C'est ce que Kunos dit, donc c'est pour ça que j'ai préféré laisser 900-900. D'ailleurs, mais avant, j'utilisais quelque chose d'autre avant, mais j'ai préféré mettre 900-900.
Et okay, le rapport de direction, je trouve très... Attends, laisse-moi juste terminer, ouais. Naga. C'est important. Le rapport de direction, c'est un pourcentage. C'est un... On va dire, c'est comme si c'était un algorithme de direction de votre moyeu de direction, en fait. En gros, plus votre rapport de direction est faible, plus votre direction va être vite et rapide. C'est-à-dire que si vous tournez votre volant à 90 degrés avec un rapport de direction faible, eh ben, si vous tournez à 90 degrés votre volant, vous allez pouvoir faire peut-être un demi-tour sur la voiture. C'est-à-dire quand vous allez rouler, vous allez peut-être faire un 100, vous allez peut-être prendre un demi-tour sur vous-même. Que si vous utilisez un rapport de direction très élevé, donc le plus haut, c'est-à-dire je crois 16 ou 17, je crois sur la BMW, eh ben l'angle à 90 degrés sera pas du tout va pas retransmettre votre direction. C'est-à-dire que au lieu de faire le 180 degrés de tout à l'heure, donc le virage à 180 degrés avec 90 degrés de rotation de volant, bah vous pourrez pas le faire. Donc c'est un ratio, Arnaud. Tu as tout dit, rapport de direction, qui veut dire ratio exactement en anglais. Et là, c'est un ratio. Et la précharge différentielle. La précharge différentielle. Donc ça c'est important aussi. Ça vous permet d'avoir une sorte de blocage au niveau du pont arrière, parce que le précharge différentiel marche uniquement sur les roues motrices. Si on aurait parlé d'une TCR, par exemple, ouais, une TCR, bah, la précharge aurait été à l'avant de la voiture. La précharge, ça marche sur les roues motrices. En l'occurrence, c'est la différence de rotation entre le pneu gauche et le pneu droite. Donc si, admettons, si vous prenez un virage, vous le savez tous, après ça c'est de la théorie aussi, mais votre pneu en contrainte tourne beaucoup plus vite que le pneu qui n'est pas en contrainte. Ouais. Donc la précharge du différentiel permet de mettre de la force sur le pneu qui n'est pas en contrainte pour permettre d'avoir les roues qui tournent à peu près dans le même sens et dans la même vitesse. Donc si vous avez une voiture qui a beaucoup de précharge, ça va forcer le pneu à rouler dans la même vitesse que le pneu à gauche. Par contre, si vous mettez peu de précharge, le pneu qui n'est pas en contrainte, donc le pneu qui n'est pas en contrainte va tourner beaucoup plus vite que le pneu qui est en contrainte, en fait. Enfin, pardon. Ouais. Voilà, le pneu qui est en contrainte. Je m'emmène un peu les pinceaux, c'est un peu compliqué. Et dans quel cas on les modifie ? Bah ça, c'est une histoire de virage aussi. Si vous prenez un virage à haute vitesse, c'est là où on le voit. Personnellement, je trouve que régler la précharge de différentiel, c'est sur les virages à haute vitesse. Quand vous relâchez un peu les gaz sur un virage en quatrième vitesse ou en troisième vitesse, en dessous, genre virage en première vitesse ou en deuxième vitesse, c'est pas ici que vous allez pouvoir régler correctement la précharge. Par contre, un virage en troisième vitesse, quatrième vitesse, voire cinquième vitesse, c'est là qu'on va pouvoir bien gérer le réglage de précharge. Donc plus si vous avez une voiture qui est instable en entrée de virage sur un virage à haute vitesse, il faut augmenter la précharge. Si vous avez de la stabilité sur un virage avec une précharge faible, c'est bon, vous pouvez laisser. Ça va vous permettre de bien passer aussi le virage lent. D'accord. Mais si vous avez de l'instabilité sur les virages rapides, on parle d'un virage comme le 130R sur Suzuka par exemple. C'est un virage ultra ultra rapide en cinquième vitesse. C'est un virage où pas besoin de freiner quasiment sur toute l'ensemble des GT3. Si vous relâchez les gaz et que vous prenez votre virage et que vous avez la voiture qui part en tête à queue, vous n'avez pas assez de précharge. Ouais. Voilà. Bon, bah, c'était un super résumé. On a passé en revue, donc comme on avait dit, l'adhérence mécanique. Donc là, on revient au niveau de l'agenda de la soirée. Donc on a vu pas mal de choses. Il manque une seule chose qu'on doit voir maintenant. Deux choses plutôt. Ce sont les amortisseurs et le réglage volant. Donc là on a vu pas mal de chapitres ici. Donc j'espère que vous avez kiffé déjà cette masterclass et que vous kiffez toujours. Ce n'est pas fini. Il nous reste une demi-heure. Donc là on va essayer de discuter des amortisseurs, des éléments dans les amortisseurs et essayer de savoir qu'est-ce qu'on pourrait changer et quelles sont les implications dans les amortisseurs et quand il faut les changer. Et j'ai une question pour toi, Redouane. On va revenir ici. C'est le sujet de la masterclass numéro 3. C'est au niveau du Motec. Est-ce que
quand on parle d'adhérence mécanique et d'amortisseur, ici on va essayer de le revoir. Est-ce qu'il faut vraiment utiliser le mot tech? Est-ce que le mot tech va nous donner des réponses à ça? Et quand toi, est-ce que toi déjà tu l'utilises le mot tech? Dans quelles circonstances tu le fais? Alors le mot tech c'est un logiciel pro pour qui vient de la base IRL, hein, la base de la vraie vie, pour pouvoir régler les vrais GT3 et plusieurs autres véhicules. Ça vous permet d'avoir des données très importantes au niveau des suspensions, comment elles travaillent. Sur Assetto Corsa Competition, le Motec, il est pris en compte, pris en charge. Et vous pouvez voir l'évolution des suspensions sur un sort de diagramme assez bien détaillé, où on voit à peu près la compression des suspensions au niveau sur un tour. Qu'est-ce que les suspensions font? Moi, personnellement, j'utilise le Motec sur deux contraintes. Alors quand j'utilise le Motec, c'est pour aller chercher le dixième ou les deux dixièmes manquants. Vraiment, je mets un point d'honneur là-dessus, les amis. Je mets un point d'honneur. J'utilise le Motec pour aller chercher les deux dixièmes manquants. Quand je dis deux dixièmes manquants, c'est je fais un chrono qui est déjà très très bon. Si je vois que je stagne avec le même chrono pendant à peu près un jour, deux jours, je vais sur le Motec, j'essaie de voir si je peux pas gratter un dixième, deux dixièmes, mais je pourrais pas gratter plus, les amis. Le Motec ne vous fera pas gratter une seconde. Vraiment, ce qui va vous faire gratter la seconde au chrono, c'est la partie aéro, les amis. On l'a bien vu avec Naga, il a amélioré ses chronos juste avec la partie réglage aéro. Le Motec, vous pouvez l'utiliser pour ceux qui sont motivés et qui sont passionnés aussi hein, de sport mécanique. Le Motec vous fera gagner un dixième, deux dixièmes, pas plus. Voilà. Moi, j'utilise le Motec pour la circonstance. Par exemple, voilà, quand je fais un championnat et que je ne suis pas le seul pilote Porscheiste du championnat, les autres pilotes sont très rapides. Si, admettons, je vois ce pilote rouler deux dixièmes plus vite que moi et que moi, je suis au maximum... Là, je vais sur le Motec. Là, j'essaie de trouver des solutions. J'essaie d'avoir une courbe beaucoup plus homogène. Et c'est comme ça que je récupère le dixième manquant, le dixième et demi manquant, les deux dixièmes. Mais pas plus. Je ne pourrais pas gratter plus. Voilà. D'accord. En tout cas, superbe introduction. Donc, on va passer en revue les amortisseurs. Et qu'est-ce qu'on peut modifier sans Motec? Parce que j'imagine que pour faire un bon réglage amorti, il faut utiliser le Motec ou pas? Quelle est la limite? Parce que je sais que tu m'as dit hors live que... J'essaye d'abord sans aller dans le Motec pour essayer de gagner le temps. Et quand j'arrive pas, quand je trouve pas, j'ouvre mon Motec et j'essaie de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est juste? Bah, c'est juste à 75%. Voilà, moi je fais le setup déjà de base sur souvent le réglage agressif proposé par le jeu. Je pars de là, puis j'essaie de voir un peu comment faire mon setup déjà dans la partie aéro, trouver mon aéro parfaite. Ensuite, dans la partie adhérence mécanique, les petits détails dans le carrossage et la chasse. Et une fois que j'ai trouvé ça et une fois que j'ai fait mes chronos, si mon chrono me convient, mon chrono me convient et que la voiture, je la trouve, ça va, plutôt assez agréable. Mais bon, ça reste quand même des voitures qui sont très très joueuses. En tout cas, mes setups, quand je vais chercher un setup, c'est assez joueur quand même. Ouais. Donc là, à ce moment-là, une fois que mon chrono me plaît, c'est bon. Moi, je valide. Si je dois continuer à essayer de progresser, là, j'ouvre le Motec et je commence à toucher le Motec pour avoir ce petit diagramme homogène. Mais ça va me faire gagner un dixième, Naga. Vraiment, voilà. Je vais pas gagner 5 dixièmes avec le Motec. Ça, c'est une certitude. Je le sais parce que c'est mon point de vue personnel. Peut-être d'autres personnes ont gratté 5 dixièmes avec le Motec. Moi, c'est pas mon cas. Moi, quand j'ouvre le Motec, je gagne un dixième et demi, pas plus. C'est okay. Tout. Passons alors au niveau de suspension. Alors, moi, je viens de la moto, et tu fais aussi de la moto, Redone, sur circuit. Et je suis proche de gens qui font des championnats en moto. Et en fait, on dit que pour le setup, en tout cas réaliste, on dit que les amortisseurs sont la première chose à faire avant de rajouter des turbos, je sais pas quoi, enfin des break et brawl ailleurs. On dit que les amortisseurs, le but de l'amortisseur, c'est d'essayer d'avoir le pilotage et la voiture la plus souple possible et la plus stable possible au niveau du circuit. Et donc l'amortisseur doit être réglé
dans cette vision-là, c'est-à-dire absorber toutes les aspérités et la caractéristique, les caractéristiques du circuit pour pouvoir être la plus stable et celle qui est la moins de vibrations possible pour pouvoir avoir une grosse motricité au niveau du véhicule. Est-ce que aussi c'est la même chose au niveau de ACC et au niveau de cet onglet amortisseur? Bah c'est simple, hein, l'onglet amortisseur dans le setup, c'est lié au Motec. Hein. C'est vraiment ça qui lie le Motec. Donc si pour les gens qui utilisent le Motec, c'est ici qu'on règle la compression, la suspension de la voiture pour avoir une voiture qui permette d'absorber les aspérités de la piste et surtout les vibreurs. Vraiment les vibreurs, ça c'est très important, c'est les vibreurs qui permettent... c'est les vibreurs qui donnent le plus de turbulence à la voiture. C'est cette partie-là avec le Motec. Moi, personnellement, j'ai jamais réglé cette partie-là amortisseur. Jamais de la vie, j'ai réglé cette partie-là amortisseur sans avoir ouvert le Motec. Hein. Okay. Il y a des gens, je les vois, ils utilisent le Motec. Ils règlent cette partie-là sans ouvrir le Motec. c'est pas mal. Hein. Continuez comme ça, si vous voulez. Mais ça, c'est une partie qui se règle avec le Motec. Hein. D'accord. Cette partie-là, amortisseur, ça se règle avec le Motec. Hein. Et donc, les gars, je vous invite déjà à la masterclass numéro 3 qui sera l'utilisation du Motec sur ACC. On aura Redouane Messaoud et peut-être on aura d'autres invités. Je vous cache tout ça, mais n'hésitez pas à nous le dire en commentaire pour les gens qui regardent en rediffusion. N'oubliez pas de liker pour ceux qui n'ont pas encore liké. On doit péter les 500 likes et on sort la masterclass numéro 3 pour parler de cette partie amortisseur qui, donc, selon toi, Redouane, n'a pas lieu d'être actuellement parce que si on n'utilise pas le Motec, ça ne sert à rien. Alors, pour pouvoir utiliser le Motec, je ferai une vidéo tuto sur ça, comme à mon habitude. Alors, en fait, au niveau du jeu, vous avez juste à aller dans l'électronique et dans la télémétrie du tour. Des tours, vous devez mettre numéro 1. C'est à ce moment-là que le Motec va sauvegarder cette première utilisation. Puis en fonction des tours, je pense, et en fonction des sessions, vous pouvez les modifier et ça va sauvegarder les tours au niveau du Motec. Et vous allez pouvoir les analyser dans le programme externe Motec. Mais je ferai une vidéo spécialement sur ça. Et donc, alors, tu me confirmes bien qu'on ne peut pas modifier l'onglet amortisseur, Redouane. Ça ne sert à rien actuellement. Quoi. J'ai déjà vu beaucoup de gens modifier l'amortisseur sans ouvrir le Motec. Ce n'est pas une bonne idée. Je vous dis honnêtement, c'est vraiment pas du tout une bonne idée. Donc, si vous voulez toucher l'onglet amortisseur dans le setup, il faut ouvrir le Motec. Et bien évidemment, vous allez dans la partie électronique pour mettre télémétrie des tours 4, 5, 6, comme tu l'as fait. Pour pouvoir récupérer les données de compression des suspensions et les retransmettre sur un diagramme qu'il faut respecter, qui soit homogène, pour pouvoir bien régler ceci. Hein. Mais ça ne serait pas du tout... personnellement, j'ai jamais réglé cette partie-là sans avoir ouvert le Motec. D'accord. Écoute, je pense qu'avec la masterclass numéro 1 et la masterclass numéro 2, on a vraiment vu tous les setups, on a essayé de discuter de tout ça ensemble. Alors, à la masterclass numéro 3, on va parler de la bosse, de la butée rapide et de la détente, ce qui va me permettre de faire une transition vers notre agenda et pour parler du réglage volant. Et je vais vous montrer aussi les réglages au niveau de mon Thrustmaster, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé ça. Alors, au niveau du réglage volant, Redouane, je vais revenir sur la nouvelle mise à jour, ici. Alors, au niveau de la mise à jour, j'ai sorti une vidéo assez récente. On repart directement sur le jeu. Alors, au niveau de la mise à jour, on a une nouvelle chose qui est arrivée. C'est cette fréquence niveau Hertz. Alors, 400 Hertz, ça envoie beaucoup plus d'informations au volant par rapport à la piste. Donc ça, c'est la première chose. J'ai sorti une vidéo dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Vous allez voir que j'explique ça. Et on a d'autres éléments. On a le gain, la force minimum, les amortisseurs. Comment on peut avoir des amortisseurs sur le volant? Quelles sont les implications? On a l'amortissement dynamique qui est à 100%, qui peut être à 200 ou à 0%. On a les effets de route, la fréquence, on en a déjà parlé. On a après des setups avancés, la butée de direction, la linéarité de direction, et la gamma de frein et l'anti-rebond changement de rapport. Alors Redouane, au niveau du gain, si je peux me permettre, je pense que le gain se règle surtout au niveau de votre force feedback, c'est-à-dire que pour des vélos comme le nôtre, T300 RS, la base, le force feedback est au Newton mètre, est assez limité comparé à un direct drive ou un Fanatec. Et en fait, si vous allez le mettre à 100%, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir en bas à droite de votre véhicule, quand vous roulez, vous avez un truc qui s'appelle le FF. Et en fait, vous allez voir que ça se voit
assez fortement au niveau du raidillon, bah, quand vous le mettez à 100%, le volant arrive à sa maximum, à sa force maximum, et donc à ce moment-là, il n'envoie plus d'informations au pilote, et donc il n'arrive pas à déterminer s'il est en sous-virage, sur-virage, ou que le véhicule glisse. Et donc en fait, il faut régler ce gain pour arriver, pour essayer de ne pas dépasser cette barre rouge en bas à droite, parce que si vous n'avez plus d'informations, vous arrivez à la limite du volant. Alors, il y a certains volants comme les Fanatec ou les Direct Drive, ils ont assez de Nm pour pouvoir mettre ce gain au maximum, mais ce n'est pas agréable pour le pilote parce que ça devient beaucoup trop dur. Donc ça, c'est par rapport au gain au niveau du volant. Et les autres setups Redone, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Et dis-moi si tu as d'autres éléments à dire au niveau du gain. On peut passer en revue le gain force minimum amortisseur et dire un peu toi ce que tu en penses par rapport à ça. Ah, écoutez, hein, ça c'est quand même quelque chose d'assez personnel, hein, un petit peu les réglages volants de chacun. Que dire de plus? Oui, c'est vrai qu'il y a une barre en bas à droite qui s'appelle le FF. Ouais. Faut pas dépasser cette barre, sinon ça devient rouge et il y a une perte d'informations. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus de FFB à ce moment-là, c'est juste que vous pourrez avoir peut-être d'autres données dans le ressenti des forces dans votre volant. Quand ça devient rouge, c'est juste que votre le FFB est à saturation. Donc il est au max du FFB et vous n'aurez pas d'autres informations en plus. Après c'est pas non plus catastrophique. Hein. C'est pas parce que vous avez du rouge un petit peu en bas à droite que c'est la panique à bord. En vrai, il faut juste pas trop que ça soit tout le temps rouge. Si c'est tout le temps rouge, il y a peut-être des modifs à faire au niveau du FFB pour justement éviter que ça soit tout le temps dans le rouge et pour que vous ayez un peu plus d'informations, que ce soit en virage ou en ligne droite, l'aspérité de la piste. Et puis ils ont rajouté quelque chose sur la 1.8. Ouais. Le pourcentage donc à amortisseur, j'ai vu que t'avais 1%. Ouais. C'est quand même assez bien ce petit onglet, donc ça n'influe pas du tout sur les chronos, hein, quoi que, au contraire. L'onglet amortisseur vous donne un peu plus de sensations au niveau du poids de la voiture, c'est-à-dire les moments d'accélération et de freinage. Il y a plus de FFB à ce niveau-là avec le pourcentage amortisseur. Hein. Pas dynamique, hein, amortisseur, c'est cet onglet-là qui a été rajouté. Ok. Et donc à ce moment-là, c'est-à-dire que si j'augmente cet onglet-là, au plus je tourne, au plus mon volant se durcit, parce que j'ai un retour oui. de l'amortisseur. Oui. C'est ça que tu veux dire? Exactement, là, le FFB sera un peu plus puissant au moment des freinages, des accélérations et des gauches-droites en virage. Il y aura beaucoup, vous aurez plus de feeling. Et d'ailleurs, ça a été conseillé. Par Kunos, hein, je crois. Hein. Ça a été conseillé par Kunos d'augmenter cette valeur amortisseur. D'accord. Et l'amortissement dynamique, c'est quoi? Alors, l'amortissement dynamique. C'est le retour de la suspension dans le volant? C'est. L'amortissement dynamique, c'est une bonne question. Je sais pas ce que c'est exactement, Naga. Ça, c'est. Enfin, exactement ce que c'est, non, je sais pas. C'est juste que si vous baissez l'amortissement dynamique, les à-coups de FFB seront moins violents. En gros, si vous prenez un virage à droite et que donc le retour de force vous donne de la force dans le sens opposé, bah c'est la puissance de cette force au moment où vous prenez votre virage. Donc si vous êtes assez faible, et bah vous n'aurez pas de force dans votre volant au moment où vous prenez votre virage à droite. Si vous mettez beaucoup d'amortissement dynamique, si vous prenez un virage à droite, la force va être décuplée pour que le volant tourne à gauche en fait. D'accord. Et voilà, tout simplement. Les effets de route, j'imagine, ce sont les aspérités de la route. Au plus on Exactement. Va les mettre, au plus on va sentir la route. Moi, je l'ai mis à 0% parce que je pense que ça n'influe pas sur mon pilotage, vu que si je sens la route, je suis pas sûr que je dois modifier mon pilotage. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Bah oui, l'effet de route, ça vous donne plus de sensations au niveau de l'aspérité de la route, ce qui est les défauts de la route, ça vous permet de ressentir beaucoup plus d'informations. Après, moi, personnellement, j'utilise pas du tout je suis comme toi, effet de route à 0%. J'utilise pas parce que je trouve que j'ai des petites sensations et ça me suffit, ces petites sensations d'aspérité de route avec 0%. Mais vous pouvez le mettre à l'effet de route,
Mais moi, personnellement, je suis pas fan. Voilà. Moi, je suis pas fan de l'effet de route. D'accord. Les fréquences, on l'a déjà expliqué. La butée de direction. Alors, il y a un gros débat là-dessus. Avec, j'ai sorti une vidéo là-dessus aussi. Quand, en fonction du véhicule, on a une butée de direction qui est différente. Est-ce que il faut le modifier ou est-ce qu'il faut pas se casser la tête par rapport à ça? Bah, moi, personnellement, j'utilise 900-900 Naga. Donc, moi, je fais partie des gens qui se cassent pas la tête. Voilà. Voilà, moi je fais partie des gens qui ne se cassent pas la tête. Je suis à 900 degrés dans mon jeu, 900 degrés dans le firmware. C'est automatique. D'accord. Y a des gens qui utilisent les degrés de la voiture. La voiture, par exemple, c'est une bêtise, mais la McLaren 720S GT3, son angle de rotation préconisé, je crois, c'est 520 degrés, je crois. Et les gens mettent 520 degrés dans leur firmware et 520 degrés dans le jeu. Ouais. Vous pouvez le faire, hein, y a pas de problème. Y a vraiment zéro souci, vous pouvez le faire. Sauf que à chaque fois que vous allez changer de voiture, vous devez changer ces paramètres. Faut pas oublier, c'est tout. Voilà. Et donc dans la linéarité de direction, j'imagine c'est quand tu tournes le volant, t'as un effet plus ou moins important. C'est pas nécessairement important. Le gamma de frein et l'anti-rebond, changement de rapport. Ça, c'est intéressant. Quels sont ces deux facteurs, gamma de frein et l'anti-rebond, changement de rapport? Alors, le gamma de frein, c'est donc linéarité de direction, ça, je pourrais pas vous dire ce que c'est, honnêtement. Linéarité de direction, je pense que, comme son nom l'indique, c'est une sorte de linéarité fonction du volant. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Par contre, le gamma de frein, c'est quand même intéressant, le gamma de frein. C'est ce que vous mettez en... Quand vous appuyez sur les freins, c'est la vitesse... la vitesse de la jauge où quand vous mettez de la puissance, enfin quand vous mettez le pied sur le frein, cette vitesse là qui est plus ou moins rapide avec le gamma de frein. Là tu l'as à 1, mais si tu mettais 2 en gamma de frein, la jauge va aller plus vite. Au moment où ton pied va appuyer, cette jauge va aller plus vite à l'endroit où ton pied est déjà. Ah ouais. Oui, je vois. Sur iRacing, il y a aussi cette information. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Si c'est bien expliqué, désolé, hein, c'est un peu dur à comprendre, mais c'est la vitesse de cette jauge en fait, c'est la vitesse, le gamma. Et l'anti-rebond, changement de rapport, c'est quoi ça? Ça, je vous dis honnêtement, c'est quand vous passez hein, donc le rapport. La palette de le rapport. En gros, donc c'est des données envoyées au jeu. Il faut que cette valeur soit le plus faible possible. On a la chance d'avoir des volants ultra technologiques. Ces derniers volants qui sortent là, ils sont ultra performants, ultra technologiques. On n'est pas sur des volants qui datent de 1995. Du coup, la vitesse, il faut aller chercher la vitesse la plus faible du jeu. 50 millisecondes, c'est l'information envoyée à votre voiture pour le passage de rapport. Si tu regardes bien, si tu augmentes, Naga, cette valeur... je crois que tu as 100 millisecondes après. 100 millisecondes, c'est plus grand que 50 millisecondes. Voilà, tout simplement. Ok. Donc en gros, c'est l'information. Et il y a le dernier truc, je pense, constructeur supplémentaire. À mon avis, c'est pour le volant SF1000 et les Fanatec pour les LED, etc. Exactement. Exactement. Et c'est pour activer l'écran, comme ici, j'ai le SF1000. C'est pour activer les HUD de vos volants respectifs. Exactement. Ouais, exactement. Bon, écoutez, je pense c'est ce qui va. On a terminé, on a couvert tous les sujets du setup. Alors, pour être complet au niveau de ACC, au niveau des setups, il manque une troisième masterclass, c'est avec le Motec. Donc, on va essayer de la préparer et de vous proposer ça dans le futur par rapport aux gens. Donc, comme je vous ai dit, on va essayer d'atteindre un nombre de likes à 500. On a dépassé les 100, voire 120, 130 likes actuellement. En tout cas, merci beaucoup. Et Redon, je voulais juste parler un peu de toi et ton actualité. Redon est un pilote qu'il faut absolument suivre, qui stream assez souvent. Donc, il a une chaîne YouTube aussi qui va peut-être commencer à mettre à jour par rapport à des éléments. Donc, comme on est sur YouTube, on va d'abord promouvoir ta chaîne YouTube. T'as une chaîne YouTube qui est disponible. T'as combien d'abonnés? 200, 300 abonnés, je pense. Oui, j'ai une petite chaîne YouTube qui est assez petite. Moi, je me suis plus concentré sur Twitch parce que voilà, j'aime beaucoup le direct, le streaming direct en live. YouTube le permet aussi, hein. Mais je trouve que YouTube, c'est vraiment axé aussi sur les vidéos en rediffusion. Ouais. Enfin, des vidéos du VOD, on va dire. Voilà, moi, je me suis concentré sur Twitch. Mais oui, j'ai une chaîne YouTube. Donc, si vous avez un peu de motivation, les gens qui sont dans le chat, je sais pas si on peut ouais, je peux la poster sur... Je le fais tout de suite. Voilà.
Je me suis dit, bon, est-ce que vous êtes motivé à mettre un petit abonné? Voilà, je vais sortir quelques vidéos sur ma chaîne YouTube. Ça sera pas non plus fréquence maximale, mais je vais essayer de mettre quelques vidéos intéressantes. Des courses aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment regarder des rediffusions de courses. Déjà pour voir les chronos, pour voir à peu près le pace, pour voir à peu près les adversaires, les concurrents. Parce que voilà, quand on roule dans un championnat, on voit beaucoup de noms qu'on reconnaît, que cette personne-là roule dans un autre championnat. Donc faut voir à peu près le niveau. En gros, on est toujours à l'affût de voir à peu près le niveau des autres. Et le fait de mettre des vidéos en rediffusion sur YouTube, ça peut être intéressant. De course, bien sûr. Quoi d'autre? Alors, là, on t'a aussi ta chaîne Twitch qu'on te voit en live streaming. Donc, vous voulez voir un alien rouler, les gars, il faut aller sur sa chaîne Twitch. Je vous la poster aussi. Ouais, mais il y a ma chaîne Twitch, exactement. Ma chaîne, c'est très simple. Vous tapez R_Messaoud sur Twitch. C'est ma chaîne Twitch. Je stream assez régulièrement sur Twitch. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pourrez me voir souvent en direct à partir de 18h30, 19h, jusqu'à à peu près 21h30. Après, ça dépend des heures de course que j'ai en fonction du planning des courses qu'il y a sur ACC. On rappelle que la communauté ACC France et la communauté ACC dans le monde est gigantesque. Donc, il y a des courses, il y a de quoi faire. Il y a de quoi se tirer la bourre, en tout cas, sur ACC. Et puis, il y a l'e-sport aussi. Faut pas l'oublier, l'e-sport qui est présent aussi sur Assetto Corsa Competition. Je rappelle que l'e-sport, c'est vraiment le sport officiel du sim racing, donc le simulation virtuelle de voiture. Donc voilà, après, que dire de plus? Alors, vous pouvez me retrouver assez rapidement sur Twitch, il n'y a pas de problème, je suis très simple. Et je pense que ce week-end, tu as la VTRL. Je pense qu'il y a un événement qui s'appelle la Sim Dream. Et tu as des objectifs de dons, je pense, Redouane. En gros, c'est des donations, mais cette fois-ci pour une association à but caritatif, un peu comme la Z-Event, comme ceux qu'ils ont regardé. Et je pense que c'est ta team qui organise, Redouane, VTRL. Et en plus de ça, je pense que tu vas streamer pendant 12 heures ce dimanche. C'est bien ça, Red? Exactement. Donc, on va dire... faire une conclusion de l'événement qui va y avoir ce week-end, donc le 19 décembre, les amis, l'association Arc-en-Ciel nous a demandé de faire un événement, donc Sim Racing, avec beaucoup de streamers ultra connus, les amis. Naga en est témoin, il y a des streamers ultra ultra connus de la communauté Twitch et de la communauté YouTube. Vraiment, c'est incroyable. Il y a des noms incroyables, les amis. Déjà, l'un des plus grands noms, et on aura la chance de pouvoir le voir en vrai. Bon, après, c'est pas non plus la star nationale du monde, mais quand même, c'est Julien Febraud, le commentateur officiel de Canal+, qui sera présent pour cet événement. Et on rappelle que c'est un événement caritatif pour les enfants malades, pour réaliser leurs rêves, leur acheter des jouets, leur faire voyager. Et on a mis en place, donc, du coup, une sorte de cagnotte pour pouvoir donner cet argent récolté de cet événement avec 12 heures de live de 22 streamers ultra connus, les plus talentueux que les autres. Moi j'en fais partie, je suis énormément content de faire partie de ces streamers, donc cet événement. Il y a Julien Febraud, Ponce, Ligaya, il y a donc Annie pour les gens qui connaissent bien la communauté ACC. Il y a Rubik, il y a Elwit Kuhn, il y aura sûrement le Bouzeux, les amis. Le Bouzeux sera là. Il y aura Despiello, peut-être. Les amis, je vous dis pas tout, mais il va y avoir du monde. Donc, on peut se donner rendez-vous donc sur la chaîne de Red One ce dimanche. C'est ce dimanche, à partir de midi, il sera en live avec tous les autres pilotes. Des pilotes qui sont du sim racing, mais aussi des gens qui sont juste. Du gaming, et on va essayer de rapprocher, de faire connaître le sim racing au plus grand nombre, en tout cas. Et c'est la team VTRL qui organise ça. On espère que c'est un succès pour ta team et pour tout le monde. En tout cas, c'était un plaisir, Redouane, de t'accueillir lors de cette masterclass. C'est toujours un plaisir de t'avoir ici. En tout cas, j'espère que vous allez tous suivre l'événement de Redouane et surtout suivre sa chaîne Twitch et aussi suivre sa chaîne YouTube
Parce que ah, merci voilà. beaucoup, merci beaucoup pour les. Je reçois des petites notifications en plus là. Merci beaucoup Naga pour l'invitation déjà. Merci pour les abonnés, c'est ça sur YouTube, on dit Ouais, comme c'est ça. ça Naga. Ah t'as Merci les pour les gars. abonnés, je posterai. Je suis vraiment un noob hein, les amis, je suis un noob de tout les gars. Juste dans le pilotage, ça va, je sais piloter quand Les gars, il y a 160 abonnés là sur sa chaîne YouTube. Il était à 160 abonnés. Je veux que tout le monde, là on est plus de 80 encore, à regarder là. Je veux que tout le monde qui a une chaîne YouTube, vous allez tous vous abonner à sa chaîne tout de suite là. Parce que franchement, si vous le regardez, il faut aussi suivre sa chaîne YouTube. Donc tout le monde s'abonne là pour le motiver à nous sortir du contenu. À ce qu'il paraît, il va nous sortir un vlog sur ce dimanche. Donc pour le motiver, les gars, allez, tout le monde va s'abonner d'ailleurs. Tu dois savoir que la plus grosse audience que tu vas avoir, en tout cas sur cette masterclass, Redouane, c'est surtout en rediffusion. Pour un rappel, l'ancienne masterclass a fait plus ou moins 800 vues en live, mais on est à plus de 6500 vues en rediffusion. Donc on a énormément de monde qui regarde les chaînes en rediffusion. La différence entre YouTube ou Twitch, c'est qu'en Twitch, souvent le contenu, bah, il y a plus de monde qui regarde en live. Mais la rediff, elle est très limitée comparée à YouTube, où la recherche est beaucoup plus élevée. Et donc, en fait, il y a beaucoup plus dans le temps. Donc, j'espère que tous ceux qui regardent en rediffusion ce live vont s'abonner à sa chaîne YouTube, sa chaîne Twitch, et rejoindre son Discord. Pour seulement 5 euros, vous allez vous économiser quasi 2 heures de setup. Et au moins, vous pourrez avoir les setups d'un gars qui roule très vite. En tout cas, moi, je suis très content des setups de Red One. Ça fait un an qu'on a ce partenariat entre nous. Au-delà du fait qu'on est très bons amis et qu'on s'apprécie beaucoup, je reçois énormément de tips de lui. Vous allez savoir que l'e-sport et la communauté francophone, et surtout le sim racing, est une discipline très complexe. Souvent, on est livré à soi-même pour essayer d'apprendre et de devenir bon. C'est pour ça aussi que moi, j'essaie de devenir bon. Et en devenant meilleur chaque jour, j'essaie en tout cas, j'essaie de vous partager à chaque fois que je découvre quelque chose de nouveau dans une chaîne YouTube, dans une vidéo YouTube. C'est d'analyser ces gens qui ont quasi beaucoup plus d'années que moi et de temps de roulage, qui ont découvert des choses et de vous donner bah, des raccourcis qui vont vous permettre à vous bah, de regarder ça et peut-être de vous améliorer. En tout cas, merci beaucoup. Redouane, je voulais juste répondre à 2-3 questions au niveau du chat. Il y a une personne qui a dit une question hyper intéressante. Comment régler les amortisseurs si on n'a pas de motec parce qu'on est sur console? Est-ce que tu peux juste répondre à ça, par exemple? C'est une question Ah hyper oui, complexe. ça c'est compliqué ça. Très bonne question. C'est Déjà, quoi que j'ai jamais joué sur assez tôt quand ça compétitionne sur console. Et est-ce qu'il y a une partie amortisseur du coup? Ouais, il y a une partie amortisseur. Mais il n'y a pas de motec. J'avoue, là je pourrais pas répondre à ta question malheureusement. Parce que la partie amortisseur, c'est quand même. C'est quand même beaucoup mieux de régler la partie amortisseur avec le Motec. C'est fait pour justement. Le Motec est fait pour régler la partie amortisseur et de voir justement la compression, la décompression des amortisseurs des quatre. Alors, des on a quatre, une question fatidique. Et moi, j'ai ma partie de la réponse. Petite question, pourquoi Redouane, il ne change pas de matos avec son scotch sur le volant? Bah, c'est simple, parce que j'ai pas assez d'abonnés sur YouTube. Voilà. Le gars, il vante. Voilà, les amis, j'ai pas assez d'abonnés sur YouTube, c'est pour ça. Quel foustu. Alors, une autre question. Alors, merci Naga. Le problème, c'est qu'au niveau du Red One Setup, il y a la Porsche et les autres sont négligés. Pourquoi? Tu peux répéter la question? Ouais, le problème, c'est qu'au niveau du Red One Setup, il y a la Porsche et puis les autres sont négligés. Et pourquoi? Au niveau de ton Ah! Red One Garage. Alors, niveau setup, il n'y a pas que la Porsche. Certes, oui, il y a beaucoup de setup Porsche, ça c'est une certitude, parce que j'ai longtemps roulé en Porsche, mais il y a énormément d'autres setups. Il y a des setups de Lamborghini, il y a des setups de Mercedes, il y a des setups de McLaren, il y a des setups de Bentley. Certes, j'ai pas de bundle setup à proposer, par exemple sur la Bentley, j'ai pas tous les circuits setup Bentley, mais il y a 6 setups, 7 setups Bentley, il y a 7 setups plus, même il y a 10 setups Audi. Et la seule voiture où il y a tous les setups de tous les tracés, c'est la Porsche. C'est vrai. Mais Ah, ça. il y a plein d'autres setups. Bon, bah voilà, merci Naga. Il n'y a plus qu'à passer sur PC. Bah écoute, moi je ne force personne à passer sur PC. C'est là où j'ai été. Je suis passé de console à PC. En tout cas, voilà, on va clôturer cela. Merci beaucoup, Redouane, pour ton passage lors de mon live. C'est toujours un plaisir de t'avoir.
J'espère pouvoir organiser, les gars, des émissions du même style. Je suis en collaboration. Ça demande énormément de temps de préparer, comme vous voyez là, ce genre de setup, ces miniatures, ce cadrage là, etc. Mettre un screen, deux écrans, webcam préparé avec son logo Redouane Garage, ou mettre le petit sapin de Noël avec le Père Noël, etc. Tout ça prend énormément de temps à faire. Donc, quand j'essaye de faire une masterclass ou une émission, j'essaye de vous donner de la qualité. J'essaie de vous faire quelque chose d'intéressant, que ce soit entertaining, parce que je sais que c'est très visionné, surtout en rediffusion. En tout cas, je sais que tout le monde ne peut pas être disponible comme ça un mercredi soir. Mais en tout cas, je sais que cette vidéo sera énormément vue en rediffusion. Et j'espère en tout cas que vous avez apprécié toute cette vidéo. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner, de liker. Posez toutes vos questions en commentaire lors de la rediffusion. On y répondra à la masterclass numéro 3. On préparera un chapitre que sur ça. Et je vous prépare aussi d'autres émissions atypiques dans le sim racing. Merci beaucoup Redouane d'avoir pris ton temps, peut-être pas streamé aujourd'hui, pour passer sur mon live sur YouTube. Et donc j'espère que les gens ici qui ont une chaîne Twitch vont rejoindre aussi ta chaîne et tes streamings quotidiens que tu fais sur ta chaîne. Merci beaucoup et on te donne rendez-vous alors ce dimanche à partir de midi sur ta chaîne Twitch pour les 12 heures. De live que tu vas faire de suite. Merci à toi Naga pour l'invitation, merci à vous le chat d'avoir commenté tout ce qui a été dit un peu ce soir. Merci et puis à la prochaine pour un Masterclass 3, parler un peu plus en détail du Motec. Forcément ouais. Les joueurs console ça va être compliqué, mais pour ceux qui veulent utiliser le Motec et tester des choses, peut-être intéressant. En tout cas merci beaucoup Naga pour l'invitation. Avec plaisir. Merci à toi. Sur Twitch, vous pouvez me trouver facilement. Ouais. Merci à toi et on se donne rendez-vous à la masterclass numéro 3 s'il y a 500 likes. Et aussi, je voulais remercier aussi les donations qui sont tombées aujourd'hui. On a eu une double donation de 10 euros. On a eu 3 francs suisses, je pense, de Julien. On a eu une dizaine d'euros de pas mal de monde. Merci beaucoup. Merci à vous, merci des donations, merci du support. Vous devez savoir qu'un don financier, que ce soit sur la chaîne Twitch de Redouane ou la mienne, c'est non négligeable parce que ça nous permet aussi de financer tous ces éléments, acheter du matériel, investir dans des jeux, etc. Et donc, merci à tous et on se donne rendez-vous ce dimanche sur la chaîne Twitch de Redouane pour vivre avec lui les 12 heures. Et les gars, il faut absolument qu'on atteigne son palier ultime de donation goal parce qu'il paraît que c'est un truc de dingue. Il va les avancer sur son Twitch. Il y a des donations un peu fofolles. Donc, si vous voulez passer sur un streamer, venez passer vite fait un petit peu chez moi et se foutre de ma gueule. Et voilà. Donc voilà, merci à tous. Merci à Chris, merci à Arnaud pour les 10 euros. Merci à Julien Xitrox pour les euros et d'être devenu membre de la chaîne. Salut à tous et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao, à bientôt.